Shalom, bonsoir à tous, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, donc du coup, tout à l'heure, bah, mon live, il a coupé. Alors j'espère que ça ne va pas me faire la même chose ce soir, parce que pff, après être revenue tout à l'heure, bah, j'ai été blasée, j'ai abandonné, puis euh, me revoilà ce soir, je vais finir mon temps, euh, temps d'étude de cet après-midi. Alors cet après-midi, on a étudié 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai personne, voilà, euh, je ne laisserai personne, je ne laisserai pas, quoi, me laisserai pas, euh, je laisserai pas quoi que ce soit voilà, m'asservir, faire de moi son esclave. Et on va, on va faire Matthieu 7, mais, euh, ah oui, avant, j'avais dernier verset. Euh, car vous avez été rachetés à un grand prix, dit le Seigneur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et pour glorifier Dieu, euh, même étant dans ton corps, c'est pas avec la chair que tu le fais, c'est pas avec la matière, parce que c'est comme si Dieu déjà avait fait en sorte que la matière euh, ne pouvait pas représenter sa gloire. Quand il a créé l'homme dans la matière, il l'a certes créé à son image. Euh, mais pour glorifier Dieu, c'était pas avec c'était pas avec la matière. La matière euh, n'est rien. La matière n'est rien, les amis. On va prendre Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Par contre, on doit juger spirituellement. C'est ce que je disais tout à l'heure en live. On ne doit pas juger quelqu'un sur son apparence, sa couleur de peau ou sur son choix. Il a un libre arbitre. Par contre, nous, nous devons juger le monde, le condamner, parce que le monde est mauvais dans, dans tout ce qu'il fait. Le monde met en avant la matière et en fait, fait beaucoup d'idoles. Et nous, on sait que l'idolâtrie punie de mort. Et nous cherchons euh, à, à faire prendre conscience aux gens que la façon dont ils vivent charnellement n'est pas la bonne. On ne peut pas servir Dieu comme ça. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, il euh, faut condamner le monde, mais pas les hommes. C'est ça le ça qui est difficile à faire quand tu prêches. Parce que tu viens condamner le monde, donc euh, tout ce que fait le monde, mais pas l'homme. Même si cet homme ou cette femme fait quelque chose de mal, il y a une liberté aux personnes pour pécher. Les personnes ont, ont une liberté, soit de suivre Dieu, soit de pécher. Voilà, que celui qui est souillé se souille encore. Il a fait son choix, il a sa liberté, voilà. Il faut euh, faire prendre conscience aux gens, euh, certes qu'ils sont pas dans une bonne situation et qu'ils ne servent pas Dieu. Et c'est tout là le, le challenge en fait de de, de prêcher aux gens. Euh, faut pas empiéter sur leur liberté Il faut vraiment leur apporter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te délivre spirituellement. Euh, donc euh, faut faire comprendre aux gens qu'ils sont qu'ils sont pécheurs, mais sans euh, euh, les vexer, sans euh, empiété sur leur liberté. Et ça, euh, c'est très, très dur quand même à faire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Quand tu vois du mal, généralement, chez quelqu'un, c'est que ce mal-là, il est chez toi. Ouais. Et, euh, et c'est une vérité. C'est une vérité parce que moi-même, dans ma vie, euh, bah, j'ai été adultère. Et maintenant... Euh, je vis avec la peur, la peur qu'on me trompe. Quand tu fais le mal, qu'il est en toi, tu le verras chez les autres. Alors que des fois, l'autre, il ben, il fait pas ce mal. t'as sûr, c'est vrai. Et, euh, tous les défauts qu'on voit chez les autres, généralement, c'est un reflet de nous-mêmes à l'intérieur. Donc, il faut se poser les bonnes questions quand on, quand on blâme quelqu'un pour, euh, pour certaines choses. Celui qui euh, qui voit le mal, fait le mal. Hein. C'est une citation et c'est vrai, les amis. Euh, c'est celui qui voit le mal qui le fait. Et ouais. Et euh, on revient sur ce que je disais cet après-midi en live. Quand tu dis que telle chose est pure ou telle chose est impure, c'est parce que toi-même, tu es mauvais. Tu regardes cette chose avec un œil mauvais. Euh, Dieu a créé toute la matière et toute la matière est bonne. Que ce soit les pierres, les arbres, les animaux, euh, tout est bon. Euh, Dieu euh, s'est reposé de son œuvre mais avant de se reposer, il a déclaré que tout était bon, tout était comme il le voulait. Voilà, c'est l'homme qui a fait euh, des mauvaises choses avec la matière de Dieu. Et euh, parce que l'homme est mauvais. L'homme est devenu mauvais. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien hum. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant d'aller prêcher à autrui, il faut être sûr d'être propre. Parce que tu peux pas aller prêcher si tu es sale. Si tu es sale et tu n'es pas propre à le faire, si tu n'es pas assez euh, affermi dans la connaissance de la parole de Dieu et tout ça. Euh, Paul disait hein, que quand il allait prêcher aux autres, il faisait attention de se bourrer de coups pour pas se perdre lui-même, voilà. Aller prêcher, euh, c'est un danger parce que c'est se mettre, euh, c'est se mettre en rapport avec les autres, c'est traverser leur vie pour leur apporter la vérité, la parole de Dieu. Donc faut faire attention à nous-mêmes parce que dans le moment où on prêche, on est des proies faciles pour l'ennemi et voilà parce qu'on est, on est moins attentif. Euh, à nous à, au, au service de Dieu, je vais dire. Parce que tu crois que tu apportes la bonne parole et que tu, tu en as fait l'acquisition. Euh, tu fais jamais acquisition de la parole de Dieu, jamais. Euh, et c'est un danger d'aller prêcher parce que bah, l'ennemi euh, lui rôde autour des pêcheurs. Les pêcheurs, euh, c'est comme une bête qui garde son, son butin. Toi, tu arrives comme un chevalier là pour délivrer la princesse. Mais c'est vrai, c'est ça en fait, les amis. <laughs> Quand on va prêcher, c'est ça. Et euh, tu crois que ça, le combat sera facile, tu crois que ce sera facile comme ça parce que tu connais la parole de Dieu Non. D'ailleurs, ce qui délivre, c'est pas toi, c'est la parole de Dieu qui délivre la personne qui t'écoute, Amen, de l'ennemi. Et, euh, et c'est sûr que c'est une guerre, c'est une guerre parce que l'ennemi euh, n'apprécie pas qu'on apporte la lumière, la liberté. Ça, c'est sûr et certain que c'est une guerre. Il faut savoir combattre selon les règles et combattre selon les règles, euh, c'est se faire écouter des gens. Donc c'est attendre le, le, le moment d'avoir la parole, c'est se faire écouter des gens et euh, c'est leur donner la parole aussi, les laisser s'exprimer, c'est euh, ne pas marcher sur leur liberté euh, et les laisser euh, laisser les graines du Saint Esprit, la vérité qu'on qu qu dépose là auprès d'eux ou dans leur cœur euh, germer toute seules, Voilà. L'hypocrisie, Dieu n'en veut pas. Hein. Dieu ne veut pas d'hypocrisie parce que l'hypocrisie, euh, ben, c'est un mensonge, c'est le reflet de l'apparence diabolique. Euh, être hypocrite, c'est être faux. Et puis si tu es faux, euh, ben, tu n'es pas la vérité, tu n'es pas imitateur de Jésus-Christ, tu ne reflètes pas du tout le Saint-Esprit. Donc euh, euh, l'hypocrisie, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce que l'ennemi euh, nous pose souvent ces pièges-là. Euh, on va à la rencontre des autres, leur prêcher la Bible. Euh, et l'ennemi va te mettre des gens beaucoup hypocrites. Euh, des fois, il va te mettre un hypocrite qui fera semblant de t'écouter, ou un hypocrite qui va marcher avec toi en faisant semblant de prêcher aussi. Et euh, pour pas tomber dans le piège de l'hypocrisie et pour pas la refléter nous-mêmes, euh, bah nous devons prier tout simplement le Saint Esprit hein, de nous libérer de l'esprit d'hypocrisie qui pourrait rôder autour de nous, qui pourrait même être en nous, parce que des fois c'est pareil, ça c'est comme la jalousie, c'est comme euh, l'adultère. Hein, suffit d'y avoir goûté, suffit d'avoir été faux et, et voilà, un jour avoir avoir menti sur sur soi-même, avoir porté un masque, et puis euh, c est, c est, cette graine est là, il faut la déraciner, il faut la rejeter, c'est la mauvaise herbe. L'hypocrisie, euh, on peut l'avoir chez les autres des fois, alors que c'est nous, c'est pareil, c'est un reflet de nous. Euh, et des fois, tu crois que c'est l'autre qui doit changer. Et finalement, l'autre, c'est pas à lui de changer, c'est à toi, parce que c'est toi qui te mets des idées dans la tête. Autre premièrement la poutre de ton œil. On peut, ne on peut rien faire, hein? euh, C'est tout, tout se fait par le Seigneur. C'est une grâce. Une grâce, ça, c'est l'hypocrisie, c'est un esprit. Et il faut, faut de la délivrance, les amis, tout simplement. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère, ben, euh, comment on, oeille, on enlève la paille dans l'œil d'un frère, puisqu'on a su détecter l'hypocrisie ou la sorcellerie ou l'adultère ou tout ça, c'est parce que nous-mêmes, on a connu ça, on a connu le péché. Et ce qu'on a connu nous permet de le détecter chez les autres, tu comprends euh, Je sais détecter quelqu'un qui sait lire ou qui sait cuisiner parce que moi-même, je, je sais le faire. Vous comprenez Et cette histoire de... Beaucoup de chrétiens, on prend cette histoire de poutre mal. Mais finalement, tout ce que Dieu a fait, bon, je vous assure, euh, Dieu nous fait connaître que nous sommes pécheurs. Et quand on va prêcher sa parole de vérité, euh, on va la prêcher à des gens qu'on croit pécheurs aussi. On se croit dans la vérité, mais finalement... En allant prêcher aux autres, on va se découvrir aussi nous-mêmes, parce qu'on on va se connaître nous-mêmes. La, la, la Bible, euh, elle va nous révéler notre identité de péché au fur et à mesure que nous marcherons avec Dieu. Au fur et à mesure, on va, on va voir tous les petits défauts que nous avions. Tous les petits défauts. Tous les petits défauts qui finalement font une grosse poutre, hein, celle que Jésus-Christ même a portée sur la croix. Donc comment on peut enlever... Euh, la paille de l'œil de notre frère, euh, ben c'est par la prière, c'est en, en l'amenant à Jésus, parce que c'est Jésus qui délivre, Amen. Mais sinon, on peut rien faire de nous-mêmes. Voilà. Puis la grosse poutre chez nous, ben la grosse poutre, c'est Jésus qui doit l'enlever. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc euh, le Seigneur n'aime pas tout le monde. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Non, faut arrêter de dire ça. C'est pas vrai. C'est un faux témoignage. C'est par là la place du Seigneur et c'est pas bien parce que vous n'êtes pas dans sa tête. Il est la tête, le chef de l'Église. Vous n'êtes pas dans sa tête pour savoir qui il a choisi d'aimer ou pas parce que l'amour est un choix et Jésus donne son amour à qui il a envie de le donner. Il euh, y a des chiens et des porcs pour le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes animaux qui ne pourront plus jamais être spirituels parce que le Seigneur même, en disant qu'ils sont des chiens et des porcs, euh, c'est qu'il leur a fermé l'accès euh, il a bien compris qu'il ne viendrait pas à la lumière et de toute façon, il s'est il, il fait pierre d'achoppement pour les rejeter. Hein. Il a fermé l'accès. Si tu donnes tes perles aux porcs et aux chiens, donc tu vas prêcher l'évangile, ces porcs et ces chiens euh, ne vont pas y manger correctement comme des êtres humains. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme Mais là, c'est un chien, c'est un porc. Euh, <laughs> un chien, un porc... Euh, n'apprécie pas les paroles de Dieu. Un chien, un porc, les foule aux pieds et, euh, et te déchire même parce qu'un chien, un porc, il est dans cet état euh, animal où, euh, où sa conscience ne fonctionne pas. Tu peux pas te toucher à sa conscience parce qu'il n'en a pas. Il en a tout bonnement pas à l'éteinte de sa conscience. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc faut frapper au royaume de Dieu. Et demander, donc demandez par la prière. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Donc il faut encore frapper par la prière, les amis. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Alors ça, on l'a vu hier, euh, et je donnais des explications hier en live. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. J'ai parlé tout à l'heure dans mon live euh, de l'instinct maternel. L'instinct maternel, euh, c'est quelque chose de, de très très fort hein, chez une femme ou chez un homme. Hein, l'instinct paternel aussi. Hein, euh, mais il y en a qui ne l'ont tout bonnement pas. Et là, Jésus nous dit qu'il y a des porcs et des chiens. Euh, et méchants comme on peut, comme on peut l'être. Hein, on peut donner des bonnes choses à nos enfants. Hein. Euh, un porc, un chien, euh, c'est des bêtes, certes, mais euh, ils, donnent à leurs enfants, euh, ils donnent à leurs enfants des choses. Et tu as des gens méchants dans ce monde qui donnent de, de, de grands biens à leurs enfants. Mais malheureusement, euh, le, le plus grand bien que tu peux donner à ton enfant, c'est une relation avec Dieu. Enseigne ton enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Euh, tu n'es pas à l'abri de, de ce qui t'arrive quelque chose dans la nuit ou demain ou, ou dans les prochains jours et tes enfants livrés à eux-mêmes sans la protection de Dieu dans un monde comme ça où il y a des porcs et des chiens les amis ouais tu sais pourquoi le Seigneur les qualifie de porcs et de chiens tu veux que je te dise pourquoi euh, le chien il va avec mal et mal quand il sent chaleur les chiens ça la queue le le ah 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 la queue le le non mais c'est vrai hein? des fois tu as des As deux trois chiens comme ça qui sont euh, qui sont l'un sur l'autre ouais. et puis euh, le chien dans sa façon de s'accoupler il est il est euh il va se tourner, il va se mettre cul à cul, en fait, avec les... <laughs> il va se mettre dos à dos avec euh, son partenaire sexuel. Et puis un chien, un chien peut violer n'importe un... quoi quand il est en chaleur. Un nounours, euh, une chaussure, ta jambe, une poule, euh, n'importe quoi. Voilà. Euh, et il y a des gens, ils sont véritablement comme ça. So sodomiser des gamins, des poupées, euh, euh, s'enfoncer des patates dans... <laughs> dans le lieu obscur. <laughs> ils se... Ils sont prêts à tout, je t'assure. Il y en a, ils sont, ils sont terribles, terribles. Euh, quelle horreur, quelle horreur. Euh, et il y a des, des porcs aussi. Alors le porc, euh, c'est pas trop sexuellement, lui, qu'il est... Euh qu'il aime manger hein le, le, le sexe c'est nourriture le porc le porc lui il aime se gaver il aime se gaver se gaver à n'en plus finir donc euh, tu as des gens c'est des vrais porcs euh, dans le sens où euh, ils sont jamais rassasiés de matériel jamais rassasiés de disputes jamais rassasiés de guerre de famine de euh, de malheur de drames, euh, jamais rassasiés euh, de tout ce qu'ils peuvent avoir jamais voilà, et ils aiment se, se rouler dans la merde et, et le monde actuellement, je t'assure que il est dans une grosse merde, mais, mais épouvantable, épouvantable. Et c'est pour ça que tu dois plus vivre selon la chair, parce que vivre selon la chair, euh, c'est ce c'est 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 accepter le fait que tu nages dans la merde et que t'en manges tous les jours et que t'as pas d'avenir en fait. Je t'assure que c'est vrai, c'est accepter ça, c'est accepter que tu, tu vives dans la, dans la puanteur et, euh, et malheureusement. Euh, si dans la merde, bah t'y resteras quoi, faut pas, euh, faut pas, euh... la merde normalement ça porte bonheur, mais celle du monde je t'assure qu'elle porte malheur, elle, elle est maudite. Faut pas rester là, euh, faut vraiment donner sa vie à Jésus et, et suivre le Seigneur, Amen. Les hommes politiques sont des gros porcs, des gros porcs euh, qui aiment se rouler dans la merde, ça c'est clair, ils en ont jamais assez. D'ailleurs ils sont toujours euh, prêts à taper euh, sur le, le petit peuple pour... Euh, pour se goinfrer encore et encore et encore. Il y avait une vidéo comme ça, là, où c'était des cochons qui étaient nourris, nourris. Et il y avait des chats, il y avait plein de chats autour. L'esprit du chat, l'esprit du monde, l'esprit de Lucifer. Euh, Lucifer, elle est comme ça, en fait. Elle met le. Enfin, c'est le diable dans la Desmer. Il met le désordre comme ça. Il donne à ceux qui sont blindés et il enlève à ceux qui n'ont rien. Il est dans l'excès, dans l'excès. De rage dans l'excès de méchanceté et, et c'est comme ça et c'est pour ça que ce monde ne tourne pas rond et que ce monde c'est de la merde finalement c'est de la merde parce que que tu sois au plus bas ou au plus haut euh, dans ce monde tu es toujours dans la merde finalement euh, regarde la puce la puce enfin la puce l'image de la bête l'image de, de la bête ils vont la mettre sur riche pauvre esclave libre ils vont la mettre à tout le monde tout le monde donc que tu sois en haut ou en bas c'est pareil, c'est pareil. On nage dans la même, on est dans le même bateau qui coule finalement. <laughs> Il faut véritablement euh, entrer dans l'arche spirituelle, le Christ, avant que le temps de grâce se ferme. Nous étions tous des hommes animaux parce qu'on a tous péché. On nageait tous dans cette merde pensant s'en sortir, mais tu peux pas t'en sortir. Hein. La merde, c'est pas de l'eau, hein, les amis. Hein. <laughs> euh, tu flottes pas dans la merde, ça c'est sûr. <laughs> Mais euh, certains ont accepté Christ et Christ, euh, bah, il te sort de là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop euh, euh, dure d'entendement pour euh, pour t'entendre. Voilà, est, il t'entend. Amen. Donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc euh, ce qu'on aimerait que les hommes fassent pour nous, c'est le bien. Ça, c'est clair. Euh, donc, quand tu vas prêcher, il faut que tu te souviennes de ça. Quand tu apportes la parole de Dieu euh, aux hommes, il faut que tu te souviennes de ça. Que c'est pour leur bien, pour faire abonder les fruits du Saint-Esprit dans leur cœur, pour leur faire passer un, un bon moment, pour les toucher par, le, voilà, par la parole de Dieu que tu leur apportes, pour qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour qu'ils soient libres. Euh, ce n'est pas pour toucher à leur, à leur façon de penser, à leur liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Amen. Euh, après ton passage, euh, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui, qui se mette, euh, qui, qui active les choses en eux. Il faut pas que ce, ça vienne de toi. Tu peux pas aller euh, prêcher avec des discours séducteurs d'hommes. C'est pas possible. Tout ce que les hommes veulent que vous fassiez pour eux, voilà. Euh, non, tout ce que vous, vous voulez que les hommes fassent pour vous. Vous de même, faites-le pour eux. Voilà. Euh, c'est pas trop ce que font nos politiques et c'est pas trop ce que font euh, tout ce qu'on peut voir dans le monde. Tout, tous ces hommes, avec la gloire du monde, ils euh, sont jamais rassasiés. Jamais. Euh, ils ne font pas aux autres ce qu'ils qu aimeraient pour eux-mêmes. Hein. Ça, c'est clair. On l'a bien compris. On l'a bien compris qu'il y a euh, une inégalité euh, incroyable sur toute la terre. Mais nous, euh, Christ nous a appris à prier pour nos ennemis à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, à aimer euh, l'autre dès l'instant présent, dès qu'on le rencontre, donc à fermer les yeux sur ses défauts, à supporter euh, ceux qui sont mal affermis, ceux qui nous outragent, ceux qui se croient meilleurs que nous, ceux qui nous oppriment, voilà, hein, tout mal qu'on court au bien des justes. Donc euh, Christ nous a appris à... À anticiper le mal, à anticiper le mal et à faire en sorte qu'il coule comme de l'eau sur un parapluie ou, ou sur les ailes d'un canard. Il voilà, ne faut plus que le mal... C'est comme si tu portais un gilet pare-balles, en fait. Euh, les mots peuvent blesser, voire te tuer, même des fois, parce que toute une vie, tu peux euh, entendre la, la, les mots d'une personne qui résonne en toi parce qu'elle t'a blessé durement avec ses mots. Euh, les mots blessent plus que les coups, ça c'est sûr et certain. Le corps finit, la matière guérit. Mais l'âme, quand elle est blessée, elle est blessée, tu vois. Quand euh, elle est attristée, elle est attristée. Et même le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé et blessé, hein, vraiment. Donc, euh, nous, on doit avoir un un costume mais pas celui de l'hypocrisie hein, c'est le costume du Saint-Esprit on doit revêtir Christ parce que lui euh, avec les crachats les insultes les outrages euh, pff, il est il est rodé hein, il est rodé euh, <laughs> il est rodé donc euh, quand il nous demande de, de le revêtir vraiment c'est que euh, bah comme le Joker quoi quand on quand on qu'on se moque de toi et tout ça plus rien ne doit t'atteindre plus rien plus rien, es, euh, parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ, il a déjà pris les coups. Il a déjà pris les insultes et les moqueries sur lui. Donc si tu vis vraiment en Christ, tout ça, ça ne peut plus t'atteindre, parce que tu sais que ce n'est pas toi qu'on fait du mal. Toi, tu es entré en Christ, c'est Jésus-Christ qui font du mal. Et c'est Jésus-Christ qui rendra les, les coups, les moqueries, les insultes. Amen. Ce monde ne se met pas en peine des brebis, parce que ce monde se gave de la laine des brebis et, et, et de toute chose qui est donnée aux brebis. Ce monde est, est notre ennemi. Ce monde nous rend ennemis de Dieu d'ailleurs quand on le suit. Parce que si tu suis le faux berger, euh, tu seras juste un martyr en fait. Comme la plupart de gens religieux, sectaires. Et puis, euh, pas que. Hein. Euh, je vous assure que l'esprit du monde ne se met vraiment pas en peine des brebis, même quand tu es une star dans le monde, un politique ou euh, ce que tu veux. Hein. Euh, tu as la gloire, tu as le succès, mais ça dure qu'un temps. Parce qu'après, euh, tu finis souvent dans la drogue et tu finis souvent très 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 mal. Le Seigneur nous demande d'entrer par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et euh, le chemin qui mène à la perdition, hein, le, le, la route large et spacieuse. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà, parce que ça, c'est le monde, c'est la chair. On est tous entrés par là, tous. Mais il faut en sortir. Et Jésus, c'est notre porte de sortie, c'est la porte des brebis. Très peu le trouvent, euh, parce que très peu, déjà, euh, mettent en pratique, spirituellement parlant, ce, qu ce que Jésus ordonne. Tu peux rien faire de toi-même, donc il faut vraiment que tu pries le Seigneur de t'aider à mettre en pratique spirituellement tout ce qu'il ordonne. Amen. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Euh, étroite est la porte des brebis, c'est Christ. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et n'importe qui sur cette planète peut être un faux prophète. On a tous menti un jour et prétendu être quelque chose ou quelqu'un qu'on n'était pas, avoir fait quelque chose qu'on n'avait pas fait. On, on, on connaît tous ça. Et je t'assure que dans ces derniers jours, euh, les gens comme ça qui portent des masques et qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent, en fait, ces gens, euh, ils vivent dans un, dans leur idéologie. Ils se voient, ils se propulsent dans leur idéologie, dans leur imaginaire. Euh, ils vivent même pas leur, leur propre vie. Et comme ils vivent dans le péché et dans le mensonge, parce que s'idéaliser, d'accord, se projeter dans un avenir qui n'est pas là, qui n'est pas concret ou dans de l'imaginaire, dans du rêve, dans de l'illusion, euh, c'est se mentir à soi-même. Ça, c'est moche. Que tu mentes encore aux autres, ça va. Enfin, c'est grave. Mais te mentir à toi-même, c'est la bassesse de la bassesse, c'est l'abominable. C'est l'abominable, je t'assure. Et. Quand tu n'as pas quelque chose ou que tu, tu n'as pas fait quelque chose ou voilà tu mens tu mens des fois à quelqu'un mais te mentir à toi-même t'idéaliser te t'imaginer dans un rêve te projeter dans quelque chose qui n'est pas là encore euh, vivre dans l'illusion dans le paraître euh, quelle horreur que Dieu que Dieu nous en préserve tous amen parce que euh, c'est ce que nous faisions Lorsque nous vivions dans la chair, euh, on se projetait, euh, on, on nageait dans la merde, on se projetait, euh, on croyait que nos efforts pourraient changer cette merde, tu vois, pourraient changer tout ça. Mais ça, tu peux pas changer ça. Parce que le tas de merde, il est trop euh, trop géant, là. il est gigantesque, c'est le monde entier, là. C'est le monde entier, c'est toute la matière, tu vois. Donc, euh, pour plus nager dedans, il faut plus que tu sois matière en fait. C'est tout, c'est tout. Et euh, Jésus, ce qui nous fait comprendre quand il nous dit d'entrer de, dans la petite porte étroite et resserrée, euh, ton âme, ton âme n'est pas matière. Ton âme euh, peut être séparée de, de tout ça, quitter quitter ce, cette illusion, ce, ce soi-disant monde de rêve. C'est de la paillette, c'est de la connerie, c'est du théâtre, le monde, c'est un cirque. C'est le cirque de César, mais à la taille, à l'échelle mondiale. Euh, je t'assure, il y a des porcs, des chiens et des animaux là-dedans, mais il euh, y a des paillettes, il y a des clowns qui nous, qui nous amusent, mais c est, c est, le monde, c'est vraiment euh, une corruption, une corruption. Plus rien n'est bon, les amis, plus rien n'est bon. Le monde tourne sans valeur et tourner sans valeur, c'est être hypocrite, c'est c'est porter un masque, c'est porter un masque. Le monde est soi-disant laïque, les politiques sont soi-disant laïques. Ils font la guerre à certains pour les cantines scolaires, mais regarde, euh, à d'autres ils mettent en avant d'autres personnes religieuses. Tu vois bien qu'on est on est manipulé par des gens qui nous mentent en permanence. Ces gens sont des clowns. Ils nous jouent une pièce de théâtre. Il euh, ne faut rien avoir à faire avec eux parce que ce sont des gourous, les amis. Ils n'en ont pas l'air comme ça parce qu'ils portent costume-cravate. Mais c'est des gourous. C'est des gourous. C'est des gens qui se mettent pas en peine des brebis. Puis, les mêmes que les, le cacaca le, le là. Euh, <laughs> le cacaca Le clan Le clan Ces gens qui, qui portaient des cagoules et qui, qui craquaient une allumette sur de, de, des lits d'essence après avoir drogué les, leurs ouailles. Puis les avoir dépouillés, hein. Donc, euh, euh, tu sais, il euh, y a des gens qui s'enrichissent dans ce monde euh, en dépouillant les autres. Et après, ils se font passer pour des, euh, des gourous, hein, des, des personnes qui vont, donner, euh, qui vont donner tous les conseils du monde, parce qu'ils ont une place dans le monde après. Mais euh, il faut écouter Dieu, les amis. Amen. Et pas changer les paroles de Dieu. Et euh, écouter Dieu, ça ne se fait pas avec tes oreilles charnelles, ça se fait avec tes oreilles spirituelles, ça se fait avec ton cœur. Amen. Quand euh, quand nous sommes dans, dans le ventre de notre mère, le, la première chose qui fait du bruit en nous, petite créature, c'est notre cœur, c'est notre cœur qui bat. C'est la première chose qu'une mère ou un père puisse peuvent entendre de leur, de leur enfant, n'ont hein. pas encore vu son visage, euh, mais c'est le cœur qui bat qu'on entend hein, qu'on entend d'un enfant dans ton sein, voilà, ce petit cœur, petit battement de cœur qui sont très très speed, <laughs> euh, il paraît que pour les filles c'est plus speed que pour les garçons, je sais pas, je sais pas si c'est vrai, mais euh, voilà, ça serait au premier battement de cœur déjà que tu pourrais voir si une fille ou un garçon, parce que celui des, des, des garçons bat moins vite que celui des filles. Euh, moi, ça s'est avéré vrai pour mes deux filles et pour mon garçon. Hein. Son rythme cardiaque était euh, plus lent que mes deux filles. Euh, ça ça, ça s'est avéré vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Hein. Voilà. Mais euh, euh, le cœur... Le cœur fait du bruit, le cœur c'est un appel, les amis, et le cœur, euh, c'est ce qui nous reconnecte à Dieu. C'est ce que Dieu entend. Amen, c'est ce que Dieu entend. Dieu vient vivre dans ton cœur. Il est dans le silence, mais dans le silence de ton cœur qui fait boum, boum, amen. Et, euh, et toi-même, pour écouter Dieu, c'est avec ce cœur, c'est ce cœur-là que tu dois utiliser. Ton cœur, c'est un outil, je t'assure, c'est comme la Bible, c'est un outil. La Bible est un outil, donc c'est pas la Bible que tu dois idolâtrer. Il y a des chrétiens qui idolâtrent la Bible, c'est terrible, terrible. Euh, on ne se prosterne pas devant la Bible, euh, ni on se prosterne dans, dans l'esprit de, de, de cette Bible, devant l'esprit de cette Bible. Amen, devant la parole de Dieu. Il euh, ne faut pas idolâtrer la Bible. Il faut vraiment rechercher Dieu et Dieu, il est dans l'invisible. Euh, c'est vraiment à ton cœur que tu dois te reconnecter, te recentrer, parce que si tu le cherches ailleurs, si tu cherches Dieu en dehors de toi-même, tu ne le trouveras pas. Celui qui cherche, trouve. Et la petite porte des brebis, c'est le cœur. Dieu lui-même, il est là. Et un jour, il va frapper dans ton cœur. Et si tu l'entends, que tu ouvres cette porte, et eh ben, tu mangeras avec lui. Amen. Tu manges déjà avec lui, tu manges aux paroles de Dieu. Donc le Seigneur, il nous dit de nous garder des faux prophètes. Est-ce que nous-mêmes on peut s'en garder Il y en a tellement. Malheur au monde pour les scandales qui arrivent parce qu'il y a tellement de scandales. Tellement, mais tellement. Les scandales les plus abominables les uns que les autres. Hein. Il est honteux de dire ce qui se fait dans ces ténèbres-là. Des pédophilies de gamins, des vols d'organes, euh, des trafics de gamins, des. Oh là 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 c'est pas possible. Des avortements à neuf mois, des... c'est tout un scandale, les amis. Le monde est scandaleux. La honte. Donc, est-ce qu'on peut se garder nous-mêmes des faux prophètes Non. Seigneur, éternel, garde-nous des faux prophètes. On ne peut pas se garder nous-mêmes. Je ne sommeille ni ne dors, je garde Israël, réponse directe, poum du Saint-Esprit. Ils viennent à vous avant que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Mais il veut quand même t'entendre ouvrir la bouche. Et pas la bouche charnelle, mais la bouche spirituelle, la pensée, la prière, veille et prie. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Alors tu as des chiens, des porcs, mais tu as des loups aussi. Tu sais, c'est quoi un loup C'est quelqu'un qui est solitaire, qui pense qu'à sa gueule, je t'assure. Et euh, quand tu vas venir au milieu de toi, brebis, euh, il en a rien à foutre de toi. Rien à foutre. Il va paraître comme un agneau. Il va te dire qu'il connaît Dieu, qu'il téléphone à Dieu, qu'il parle à Dieu, qu'il a une relation avec Dieu. On vous dira il est ici, il est là. Il y a beaucoup de loups dans ces derniers jours. Euh, et toi, tu vas te mettre en peine de ce loup, parce que tu dois avoir de l'amour pour ceux qui te dirigent quand même, tu vois, dans le Seigneur. C'est écrit ça. Si tu prends la parole de Dieu au sens charnel et que tu t'appuies pas correctement sur Jésus, c'est si un être charnel. Il faut que tu sois un être spirituel. Jésus est en rabbi, tu as besoin que personne t'enseigne. Et ce loup-là, euh, il sait que toi, tu demeures dans l'amour, il sait. Tu une, une brebis, tu as, as de la laine sur ton dos, tu vois. Il va se faire un pull avec ta laine. Il va, il, va, il va prendre ce que tu es. Il va prendre, il va te dévorer, je t'assure. Euh, mais lui, il pense qu'à sa gueule, c'est un loup. C'est un loup, mon ami. Et c'était dur à entendre, parce que des fois, tu as de l'amour pour certains euh, pasteurs et tout ça, surtout sur les réseaux sociaux. Il hein. euh, y en a qui donnent belles figures, mais des belles figures de loups. Des belles figures de loups, je t'assure, ou des belles figures d'hypocrites et dans des belles têtes de de bouchers en fait de bouchers qui se mettent pas du tout en peine des brebis je comprends ce que veut dire le Seigneur on nous regarde comme des brebis pour l'abattoir et c'est ce que fait le loup le loup va s'approcher de toi en en, en en faisant croire que, que tu vois es, il est comme toi il est comme toi et toi tu vas croire qu'il est comme toi qu'il a le même cœur que toi mais en fait il en a rien à foutre il pense qu'à lui Donc, dans ces derniers jours euh, c'est dur il nous faut beaucoup de courage, à la fois pour aller prêcher. Amen. Soyez simple comme la colombe, dit le Seigneur. Euh, et, euh, et il dit comment il dit euh, euh, soyez simple comme la colombe. Et je ne sais plus comment il dit par rapport au serpent. Euh, enfin, le serpent, il est. Euh, il fait attention. Tu vois, il, est, euh, il fait attention parce qu'il est toujours en danger. Hein, il est par terre. Tu peux y marcher dessus, tu peux le tuer, euh, marcher sur sa tête et tout. Il est vigilant, Avril. Merci, Seigneur. Vigilant. Soyez vigilant comme le serpent. Voilà. Euh, et simple comme la colombe. Oui. Parce que euh, pour aller prêcher la parole, tu dois être un animal. Mais pas n'importe quel animal. Euh, tu dois faire attention comme ce serpent. Vigilant. Parce qu'il y a des loups qui peuvent te tuer. Il y a des porcs et des chiens qui peuvent se tourner contre toi et te déchirer. Tu comprends Donc, euh, euh, aller prêcher, c'est se mettre en danger. Voilà. Donc, tu dois être vigilant comme le serpent. Parce qu'on peut te piétiner la tête, on peut te piétiner ton corps, l'ennemi peut marcher sur toi, l'ennemi peut te faire du mal. Et même si tu as Jésus, euh, dans ce dernier jour, c'est pas facile. C'est pas facile d'aller prêcher. Amen. Et, et prêcher, c'est montrer sa position, c'est montrer que tu as la lumière de Christ, la vérité. Voilà. Donc, faut faire attention. Et soyez simple comme la colombe, ça veut dire que tu traînes pas. Tu vas prêcher, mais tu traînes pas. J'ai déjà montré, euh, en, comme Jésus m'a appris à le faire, hein, combien de temps prend une prêche, les amis. Combien de temps euh, ça nous prend de prêcher Ça prend vraiment, euh, allez, j'en sais rien. Euh, je vais trouver les versets, puis vous allez dire combien je, voilà, en démarre top chrono. Euh, alors attendez, non, on démarre pas tout de suite. Non, on démarre pas tout de suite parce que je me suis plantée de. Là, c'est là. Allez, on démarre Top Chrono cette fois, c'est bon. Euh... Voilà avec quoi on doit prêcher. Que Dieu nous rende chaque jour tous ensemble, Dieu au temple. C'est même une prière, je vais te dire, hein. Euh, au temple. Donc le temple, c'est la chambre. Euh, tu dois aller prier, te prosterner à genoux devant le Seigneur, chanter des louanges, euh, adorer le Seigneur. Rempre le corps et le sang de l'agneau dans nos maisons. Et euh, partager bah, justement les révélations que Dieu nous donne, tout ça, donc les nourritures, la nourriture biblique. Amen. Euh, tu dois donc prendre ta nourriture avec joie et simplicité de cœur, la nourriture euh, du corps et du sang de l'agneau, de Christ, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Plus ta nourriture charnelle. Amen. Ensuite, euh, tu dois persévérer dans l'enseignement, donc euh, lire la Bible et. Euh, ça c'est l'enseignement des apôtres, mais lire la Bible parce que c'est euh, c'est un outil, c'est une base. Et le Saint Esprit va te donner des révélations, des, le sens caché et tout ça, parce que lui t'enseigne en esprit. Tu dois demeurer dans la communion fraternelle, donc dans l'amour du prochain et euh, dans la paix, voilà. Sans euh, utiliser le libre arbitre de personne. Tu dois euh, demeurer dans la fraction du pain. Donc là encore une fois, on te rappelle que la fraction du pain c'est non seulement le corps de Christ euh, mais c'est aussi le partage euh, de tes temps d'études, de ce que tu as compris euh, aux autres membres euh, du troupeau qui sont qui auront des oreilles pour entendre et tu dois demeurer dans les prières donc les prières, euh, tu, là où deux ou trois sont réunis en son nom, bah, Dieu il est au milieu d'eux, il écoute les prières quand on se met euh, d'accord euh, bah, Dieu il exauce nos prières la prière du juste est d'une grande efficacité mais euh, les, les meilleures prières c'est aussi celles que tu peux faire en esprit euh, dans ta chambre, tout seul cœur à cœur avec Dieu, d'esprit à esprit. Amen. Et puis, euh, voilà, te lever au milieu de la nuit ou euh, aller euh, le matin très tôt ou dans la journée euh, régulièrement pour louer l'Éternel, donc euh, l'adorer, euh, te prosterner, euh, voilà, à cause de, des jugements de sa justice. Donc, tu vois, il y a un temps pour tout sous le soleil et euh, tu dois t'appliquer à sa brebis. C'est juste ça que tu dois prêcher. Et si tout le monde prêchait ça ces ces choses là que je viens de, de, de résumer en quelques secondes parce que c'est ce que le Saint Esprit m'a montré si tout le monde prêchait ça l'ennemi il pourrait plus il pourrait plus mettre d'apostasie parce que l'ennemi serait obligé de prêcher la vérité du coup si tout le monde prêchait ça l'ennemi serait obligé euh, pour être un loup euh, déguisé en brebis il serait obligé de prêcher la vérité et l'ennemi ne veut pas prêcher la vérité, parce que lui, il veut la détruire, la vérité, avec des fausses vérités. Donc, quand toi, tu vas prêcher et que tu n'es pas simple comme une colombe, ou vigilant comme un serpent, euh, bah, tu te mets en danger, tu mets en danger les autres brebis. Parce que des fois, tu vas donner à l'ennemi, selon ta prêche, avec des sujets longs, euh, avec des débats et tout ça, tu vas donner à l'ennemi euh, les bâtons pour te faire battre, ou tu vas lui donner des cartes en main. Euh, pour aller euh, mentir à tes frères et sœurs et tout ça. Tu vas y donner des idées, tu vas y donner des idées. Si tout le monde prêchait ça, l'ennemi pourrait déjà plus mettre d'apostasie. On pourrait plus donc la séparation de entre les vierges folles et les vierges sages se ferait direct, se ferait direct parce que l'ennemi ne veut pas prêcher la vérité, veut pas donner gloire à Jésus. Amen. Nous, on veut donner gloire à Jésus. Et pour donner gloire à Jésus, il ben, faut être doux et humble de cœur, mais faut être euh, vigilant comme un serpent et simple comme une colombe. Amen. J'ai fini de prêcher. Hein. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai mis quoi euh, euh, Deux minutes, trois minutes, quatre, cinq, à tout casser. Voilà, ça c'est la prêche. Après, tu as ton temps d'études. Moi, je partage mes temps d'études. Mes temps d'études, des fois, ils durent quatre heures. Euh, et puis des fois, je fais, je fais un autre live, des fois, je suis 8 heures en live dans, dans la journée parce que je fais des lives des fois qui durent 4 heures, ou, ou des fois, je suis 6 heures en live, des, des lives qui durent 2 heures. Ça dépend. Ça dépend de mon temps d'étude et de ce que Dieu a, a pourvu. Amen. Euh, le temps d'étude, il ne faut pas le négliger. Parce que l'homme vit de toute nourriture charnelle, euh, spirituelle pardon, qui sort de la bouche de Dieu. Bon, charnelle aussi parce qu'il a fait écrire la Bible. Mais le temps d'étude, c'est que tu donnes à manger à ton âme. Alors moi je suis quelqu'un qui mange bien tu vois tous les jours mon âme elle mange à la table du Seigneur quatre heures peut-être des fois six heures huit heures <laughs> tu vois donc je mange à la table de Dieu je reste amen et ça c'est important les amis c'est important de bien manger à la table du Seigneur parce que c'est pas ton, ton corps qui mange c'est ton âme et ton âme elle a besoin de force pour vaincre la chair amen et de demeurer plus forte que ta propre chair déjà et c'est pour ça déjà que euh, aussi on ne doit pas faire dans la chair des gros euh, excès euh, de repas et tout ça parce que la chair doit être plus faible que l'esprit. Amen. Donc le Seigneur nous dit, hein, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, donc à leurs œuvres, cueillant euh, des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Euh, je suis désolée euh, si j'offense quiconque, c'est pas le but, mais euh, quand tu vois que des personnes sodomisent des gosses, vivent dans l'argent et dans le luxe, puis qu'après ils se mettent une kippa sur la tête, et ils, font, ils jouent les bons les bons samaritains, alors qu'ils nous font tout le mal. Euh, ils se creusent la tête pour nous faire du mal, hein, ils ne ils font même pas leur boulot, hein, très honnêtement. Euh, bah tu vois quoi, tu vois que c'est vraiment aux œuvres qu'on reconnaît euh, un arbre. Et le sapin de Noël, qui ne l'adore pas Qui ne l'adore pas, là, cette année encore Qui ne va pas se prosterner devant le sapin de Noël Je t'assure. La Desmer est un arbre. C'est la Menorah. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas montré l'arbre d'Abraham, l'arbre de la Desmer, alors que je l'avais dit cet après-midi. Je ne l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait. La Desmer, c'est le, le figuier, d'accord Mais il euh, y a des arbres de Dieu il y a d'autres arbres de Dieu. Alors je vais faire une coupure dans mon temps d'étude. Il y a d'autres arbres de Dieu. Alors où que est que je les ai mis par contre Est-ce que je les ai mis là euh... Le sapin. Il y a le sigomore. Le sigomore, euh... euh... c'est le figuier. C'est l'arbre de la Desmère, Donc il ressemble plus à ça. Euh... Voilà. Donc ça c'est l'arbre de la déesse mère, c'est pas le sapin, le sapin c'est l'arbre de Satan, Satan, sapin, ouais. le menteur, le pain, Pinocchio. Euh, les arbres d'Abraham, l'arbre d'Abraham, alors attends, c'est le, le chêne de Mamre, me dit le Seigneur, ouais, euh, mais à un moment tu m'en avais montré un autre. Ouais, le chêne de Mamré, voilà le chêne. Euh, mais il en avait planté un, hein, Abraham. Euh, Abraham... Planta un arbre pour Dieu. C'est important de, de voir Dieu comme un arbre. Abraham, c'est comme ça il connaissait Dieu. Le tamaris. Ouais, voilà, le tamaris. Euh, c'est l'arbre qu'a planté Abraham. C'est l'arbre qu'a planté Abraham pour Dieu. Alors, c'est petit, mais je vais essayer de, de lire quand même. L'empreinte des patriarches est là pour nous-mêmes, mais aussi pour nous aider. L'empreinte. Alors, je vous ai montré une empreinte, une empreinte de doigt. Je vais essayer de la retrouver là... Euh, je l'ai là. Donc quand ça dit l'empreinte des patriarches, faut penser à ça direct, les amis. Tu vois, une tranche d'arbre et une empreinte humaine. En, je vous l'ai dit, parce que le Seigneur me l'a révélé, le Seigneur est mon mari, il connaît toutes choses. Euh, les élus, les enfants de Dieu de base, les hommes de Dieu, euh, ont sur la terre chacun un arbre, un animal, un insecte, un poisson qu'il aurait désigné et une étoile dans le ciel. Voilà, parce que Dieu est bon et euh, Dieu euh, a fait toutes choses. Euh, euh, il a fait des choses individuelles pour chacun, mais il a fait des choses communes pour tous, comme le soleil. Dieu avait fait qu'un soleil et qu'une lune, et c'était commun pour tous. Ça appartenait à Adam et Ève, donc à, aux images de Dieu, aux avatars de Dieu et de son épouse, euh, mais après, euh, il a fait des choses euh, pour chacun de ses enfants, parce que ses enfants ont du prix à ses yeux, ils sont uniques. Amen. Euh, vous. Méchant comme vous l'êtes, vous savez, donner des bonnes choses à vos enfants, dit Dieu. C'est ce qu'il dit. Mais lui, il donne des choses encore plus grandes à ses enfants, parce qu'il les aime. Et il n'attend pas que ce soit un jour spécial pour ça. Il les aime il les aime parce qu'il les a fait vivre. Amen. Alors on va prendre l'empreinte le, le, des patriarches est là pour nous-mêmes, mais aussi pour nous aider à y marcher. Ils étaient des hommes de la même nature que nous et ce que chacun en vécu avec le Seigneur nous serve encore d'enseignement et de référence de nos jours. Amen. Abraham apaisé, comblé, au sommet de ses espérances et de ses bénédictions, reçu de Dieu. Reçu de Dieu, voilà, il avait traversé bien des difficultés depuis qu'il avait quitté Charan pour aller en Canaan, cette terre vers laquelle Dieu voulait le conduire. Après toutes les détresses, les oppressions, tout mal qu'on court au bien des justes, une vie pleine d'imprévus, qu'Abraham avait connu. Il s'installa à Bercheba et il y planta des tamaris, en quelque sorte, après sa vie euh, de nomade, où il se contentait de planter les piquets de ses tentes. Là, il y planta des arbres, en l'occurrence des tamaris. Il semblait penser J'ai marché, j'ai parcouru le pays, je me suis contenté d'accomplir, mais maintenant je vais rester là, m'installer, planter quelque chose qui m'appartiennent. Je vais enfin avoir quelque chose à moi, bien qu'il fût encore dans un entourage étranger. Alors là, c'est ce qu'eux, ils pensent. Pourquoi Abraham plantait des tamaris Abraham, ce n'était pas pour que quelque chose lui appartienne. Abraham se savait étranger, voyageur sur la terre. Abraham était errant comme un, comme un gitan, comme un vagabond. Il vivait dans une caravane, il vivait dans une, dans une tente, hein, comme un caravanier sur un chameau et tout ça. Euh, Abraham n'avait rien sur la terre, même les bêtes qu'il avait, les troupeaux de bêtes, savait que c'était une grâce de Dieu qui lui était offerte. Il plantait des tamaris où il allait, euh, parce qu'il adorait Dieu sous un arbre. Tu adores Dieu sous un arbre, mon ami. Amen. Ce monde sera toujours pour nous, même dans le calme et la quiétude, un entourage étranger. Abraham était bien sous le tamaris. Il appréciait son ombre, son parfum, son calme et sa quiétude. Il y resta longtemps, nous dit la parole de Dieu. Et là j'ai le Seigneur qui me montre si Abraham se mettait sous des arbres comme ça, pour l'ombre, il cherchait la protection de Dieu, parce que Dieu est un arbre. La bonne odeur, le parfum de bonne odeur, le calme, la paix, tu vois. Et c'est une représentation déjà de Dieu, de Dieu manifesté en Christ l'agneau, du Père Christ Créateur. C'était un moment de repos qu'il avait euh, choisi, mais le danger, c'est que lorsque, euh, lorsqu'on est si bien dans la quiétude, on ne veut plus en sortir. Il s'enfermait dans le silence. C'est dans le silence et dans la paix de ton cœur que tu trouveras Dieu. Aussi, Dieu euh, lui rappelle que sa mission. Alors, je, le Seigneur me montre là dans mon esprit les avatars. L Avatar, il se connecte à un arbre, l'arbre mère. Et ils y trouvent la paix, ils y trouvent leur réponse. Et c'est ça en fait. Le silence, c'est comme un avatar. Tu te connectes à l'arbre de vie. Tu te connectes à Dieu. Amen. Et c'est ça peut être que bon pour toi. Surtout pour l'homme. L'homme est fait pour garder le silence. La femme, non. La femme, elle parle beaucoup parce que c'est C'est sa façon d'être. Elle vient compléter l'homme. L'homme ne parle pas. Un homme un homme de Dieu, déjà, il a ces qualités-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué dans l'Église, mais l'apostasie, c'est surtout ça. C'est des hommes qui parlent beaucoup et surtout pour rien dire. Des hommes qui sont pu eux-mêmes à leur place, qui demandent aux femmes de se taire, mais ils ne sont pas capables de juger entre leurs frères, ils ne sont pas capables de tenir leur place. La femme complète l'homme. La femme, elle est bavarde. L'homme, non. Moi, j'ai un mari. Euh, <laughs> je commence à... Je commence à apprendre ses silences, en fait. Je t'assure. Je le sais d'un naturel silencieux. Il aime méditer, être seul. Il aime être avec moi, mais il a des temps pour être avec moi. Et je commence à, à comprendre certains de ses silences. Il a des silences tristes, des fois, qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Je le ressens parce que je suis connectée à lui, en fait. Amen. Moi, je suis bavarde. Lui, non. Non. Quand il ouvre la bouche et qu'il a vraiment quelque chose d'important à dire. C'est mon pilier, c'est mon modèle, c'est mon foyer, c'est mon homme, c'est ma force. Et heureusement qu'il n'est pas comme moi. Parce que sinon on ne pourrait pas se compléter, on pourrait que se contredire. Chacun sa place. Donc c'était un moment de repos qu'il avait choisi. Donc l'homme. Venez à moi, fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Abraham était fatigué, chargé de sa vie. Et c'est ce repos qu'il cherchait auprès de l'arbre. Donc euh, aussi Dieu lui rappelle que sa mission, c'est. Alors, c'est autre chose. C'est tellement écrit petit que j'ai du mal à lire. C'est autre chose que le quoi Le farniente. Je n'ai pas compris là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je ne peux pas prendre la définition, mais je vais la prends après. Il avait reçu les bénédictions de Dieu dans sa vie. Et maintenant, c'était le temps non plus d'être tamaris, mais d'être une bénédiction pour les autres. Oui, Seigneur. J'arrive bientôt Avril qui me dit Prends courage, oui, je sais. Mais c'est très dur, hein C'est très dur, Seigneur. J'en ai marre de vivre comme ça. Ouh. Donc, c'était le temps d'une bénédiction pour les autres. Sous cet arbre, il parle à Dieu. Il avait sûrement des moments spirituels. Il avait compris que Dieu était tout en tous. Et que Dieu, il est dans la nature. Amen. Dieu était un arbre. Il a compris ça. Sous cet arbre, il parlait à Dieu. Il avait sûrement des moments spirituels. Mais s'il si lui parlait... Mais s'il lui parlait, alors excusez-moi, mais s'il lui parlait euh, à Dieu, c'est bizarre la phrase, puisqu'il est précisé qu'Abraham était l'ami de Dieu. Dieu ne lui parlait pas apparemment beaucoup. Du moins, la parole ne le précise pas. Aussi, Dieu va intervenir, à la suite du texte de Genèse 22, nous l'est bien, bien expliqué et dira après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, en sorte, il vient réveiller Abraham et lui rappeler qu'il doit devenir le père des nations, qu'il devait le ramener au cœur du projet qu'il avait en réserve pour lui. Abraham se lève et répondit Me voici. Ce jour, tu as deux choix à faire dans ton existence se réveiller et sortir de ton sommeil spirituel. Se lever et répondre à l'appel de Dieu. Es-tu es prêt à quitter la douceur de tes de tes tamaris et de te le euh, et de te lever ce jour Es-tu es prêt à obéir à l'appel de ton Dieu Es-tu es prêt à être un vase d'honneur pour les autres et laisser Dieu accomplir dans ta vie sans plan ses projets, ses dessins, c'est ton choix qu'il soit bénéfique pour ta vie. Voilà, Déborah Fontana qui a écrit ça. C'est pas mal hein, ce qu'elle dit. Hein. C'est une, c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où on est chrétien, c'est qu'on a déjà répondu à l'appel de Dieu. Hein, d'une façon ou d'une autre, euh, amen, on a répondu à l'appel de Dieu. C'est après que la faille, elle est là. C'est que euh, la chair ne veut pas se dépouiller. Elle veut toujours se revêtir. Donc la chair va se trouver des excuses pour recommencer à pécher. Parce que Dieu va faire le vide dans ta vie. Bah, c'est un renoncement de toi. Et euh, des fois, tu n'acceptes pas ce renoncement. Et de toute façon, tu ne peux pas devenir un vase d'honneur au service des autres tant que tu n'as pas fait le renoncement de toi-même. Parce que pour être un homme de Dieu, il faut vraiment passer par le, le dépouillement de soi. C'est clair, tu ne pourras rien apporter aux autres de la part de Dieu si tu ne te laisses pas dépouiller. C'est toi qui vis encore. Tu n'es pas ton médiateur à toi, le sauveur. C'est Jésus que tu dois apporter. Et pour apporter Jésus, ben, il faut être vide. Il faut être vide, il faut se laisser remplir après par Jésus. Amen. Donc c'est vraiment des étapes, ça, les amis. Il ne faut pas tout, tout confondre ou tout mettre en même temps. Et, euh, et c'est pour ça que Dieu nous fait comprendre qu'une graine, elle met du temps avant d'être un arbre. On devient un arbre de Dieu, mais ça met du temps. Si vous pourriez vous voir tel que Dieu la vous a planté, Spirituellement parlant, il euh, ben y en a certains, c'est des graines. Il y en a d'autres, on commence à pousser, euh, c'est un germe. Il y en a d'autres, euh, commencent à avoir un tronc avec une petite branche tout petite. Puis il y en a d'autres, c'est des, des térébains de l'éternel. La Bible nous parle des térébains de l'éternel. Amen. Je ne sais pas si je suis une térébinde de l'éternel, j'en sais rien. Je pense avoir bien poussé spirituellement parce que le Seigneur me donne beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas pour me glorifier. Amen. Euh, J'ai compris que ma mission, c'était vraiment d'aider l'Église. Euh, ma mission, je l'ai compris que c'était vraiment d'aider l'Église à comprendre qu'il y a un sens spirituel aux, aux Écritures. Parce qu'elle est beaucoup endormie par des pasteurs, par des faux, des faux qui ne se mettent pas en peine d'elle. Les térébintes de l'éternel, alors, euh, euh, définition biblique du térébint. Le térébint est un arbre commun en Palestine et un de ses arbres les plus robustes et majestueux. <laughs> euh, alors, je voulais prendre le, le verset biblique. Évidemment, le Seigneur ne parle pas des arbres de la terre, il parle des hommes. Mais euh, normalement, les hommes, si euh, les choses étaient. Euh, Selon la volonté de Dieu, euh, et les choses sont selon la volonté de Dieu finalement, parce que Dieu est en train de rétablir ce qu'il y avait dès le commencement. Hein. Euh, chaque homme, son empreinte correspond à un arbre. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes, ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébindes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. On adore Dieu sous un arbre, les amis. C'est la vérité. Et les gens l'avaient compris. Mais les gens rendaient cultes, mais en se prostituant, en apportant des choses du monde, des choses extérieures, pour faire des cultes religieux et sectaires. Alors, ce n'est pas encore ce verset-là que je cherchais. C'est celui-là. Car vous serez comme un térébat au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Voilà. Donc, quand t'es flétri, euh, c'est que étais un arbre de Dieu, un serviteur de Dieu, avec du zèle. Mais du coup, euh, t'as perdu ta saveur. T'es es maudit, t'es sous la malédiction, au lieu d'être dans la bénédiction, t'es séché, t'es flétri. C'est pas ce verset-là encore que je cherchais, c'est pas grave. Je vais prendre les versets parallèles, je vais bien finir par trouver mon verset. Moi, je cherche les térébintes de l'éternel. Il y a un verset qui dit les térébintes de l'éternel. Je la réduirai en, en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. ça c'est la vigne. Il y a une vigne de l'Éternel. Ainsi parle donc une femme de l'Éternel qui porte des enfants. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour appuyer et qui détourne son cœur. Euh, Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'écha. Donc ce figuier, c'est une personne que Jésus a maudite sur terre. Et il a maudit la personne de la déesse mère dans laquelle il y avait Satan. L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que celui qui a soif vienne à Dieu et uniquement à Dieu. Les hommes vous distribueront de l'eau et de la nourriture spirituelle. Mais ça viendra du diable. C'est un poison dans vos entrailles. C'est du sucre. C'est du sucre qui met du temps à vous détruire. Ça fait du bien dans vos entrailles, vous en jouissez. Mais après, c'est mauvais. Par contre, Dieu, ce qui te donne, c'est comme du miel qui descend dans, dans ta bouche, qui rentre dans ta bouche, mais après, quand ça descend de tes entrailles, c'est une amertume. Parce que tu vas voir que tu es en contradiction avec Dieu dans ta façon de vivre et d'être. Charnellement. Et ça, c'est amer. C'est une amertume parce que tu, tu veux Dieu. Et Dieu, il a l'odeur du miel. Mais seule ton âme peut manger aux paroles de Dieu, boire l'eau de Dieu. Et ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Et ils accourront vers les biens de l'éternel le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors. Euh, L'homme fort, l'antéchrist, sera comme de l'étoupe, comme de l'herbe. Il n'est même pas un arbre, lui. Non, l'antéchrist n'est pas un arbre. Satan est un arbre. Satan était un fils de Dieu. Seuls les fils de Dieu sont des arbres. Qu'est-ce qu'il a dit, le, le petit Bartimée, quand il a été guéri Je vois des hommes. Il y en a, ils sont comme des arbres. Oui, mais pas tous. Il y en a, c'était que des hommes, des, des, des chiens, des porcs. ressemble à l'antéchrist, donc euh, vive selon le monde, parce que ce monde est antéchrist. Tout est à l'image de la bête. Euh, ça fait de toi de l'herbe, moins qu'un arbre. Et l'herbe, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben on l'arrache, on l'arrache, on la brûle, on n'en veut pas hein, de la mauvaise herbe. Alors c'est pas ça que je cherchais. Les térébintes de l'éternel. Alors, c'est peut-être dans les... Le térébinthe le chêne. C'est un peu les mêmes armes, en fait. Vallée où tu as... Voilà, où David a tué Goliath. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe, et là, et là, c'est sous sous et là d'Ophra, voilà, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon. Son fils battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon entra et prépara un chevreau. Et il fit avec un effet de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sous le térébinthe. Et là, il et les, présent, les présenta. Et là, elle, 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 c'est quoi, elle? Gabriel, euh, Daniel, euh, Michael. elle, c'est Dieu. C'est la marque de Dieu. Dieu est un arbre. Dieu c'est le chêne, c'est le térébinthe. Et tu dois ressembler à Dieu. Il y a des hommes qui sont comme des arbres, ils ressemblent vraiment à Dieu. Ils sont poussé comme des térébintes. Ce n'est pas maintenant tout de suite que tu pousses, tu mets du temps. Mais il faut te donner le temps et il faut, faut quand même t'activer dans, dans ta foi parce que tu dois pousser. Cette petite graine de sénévée que Dieu a mis dans ton cœur doit devenir un térébinthe. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet, comme. Jésus-Christ était monté sur un âne. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela, vint dire à Joab, Voici j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Joab dit, Je ne m'arrêterai pas. Auprès de toi. Et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. Ça, c'est poignant, les amis. C'est des histoires poignantes spirituellement. Parce que là, tu comprends que c'est Dieu, l'Éternel, le térébinthe, qui retient euh, cet homme. Et au moment où l'autre va lui enlever la vie, l'Éternel est d'accord avec ça, avec ce qui se passe là. Parce que dans, ce, dans cet homme, il y a sûrement un esprit, un esprit de démon. Il alla auprès, après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Voilà un homme de Dieu. Assis sous un térébinthe, les amis. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda Il répondit, je le suis. Je le suis, moi, qui te parle. N'est-ce pas Là, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est elle, qui est Dieu, qui est l'arbre de vie. Tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébat et là, tu es poussière et tu retournes à la poussière, c'était des hommes de Dieu. Donc ils devaient, ils devaient retourner à Dieu quand même. Et je n'ai sept jours, comme vous serez comme un, un térébinthe, et là aux feuilles flétries, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Voilà. Euh, cette terre même sera un grand jardin d'Éden, et je sais que, euh, il y aura un gros arbre, un arbre immense. On aura l'impression même qu'il touche le ciel. Et nous donnera de l'ombre, euh, parce que le Seigneur notre Dieu éclairera ce monde. Cet arbre, il faudra presque trois jours pour en faire le tour. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est l'arbre du Tout-Puissant. Amen. Il sera sur cette terre même. On s'y réunira euh, comme, comme pour célébrer un Noël, tu sais, autour du grand arbre, comme les Grinch. Euh, ils, ils, sont, ils, ils se mettent autour, ils se tiennent la main autour de ce grand arbre. C'est ce qu'on fera, nous. Ce ne sera pas pour fêter Noël. Ce sera pour fêter elle. Elle. Dieu. Noël, ça veut dire sans Dieu. Non, non, pas Dieu. <laughs> Nous, on célébrera Dieu. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe est là et le chêne conserve leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà, donc le térébinthe a été abattu parce que Dieu lui-même est mort sur la croix. On est d'accord, chers enfants de Dieu. Parce que la terre, c'était Dieu. Dieu est tout en tous. Et tous sont morts à cause du péché. Et Dieu lui-même est venu en finir avec le péché. Si l'auteur de la vie en a fini avec la création, ben celui qui usurpait de la gloire de la création mourra. Mais si l'auteur de la vie revient à la vie et qu'il refait naître toute la création dans une autre matrice, ceux qui auront usurpé le, 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 le titre divin et qui auront joui de la gloire euh, de faire souffrir toute la création et de la mettre dans le péché vont mourir dans leur propre péché. Jésus, c'est le germe de l'éternel. L'arbre de l'éternel a été coupé. Et Satan, qui est un imitateur de Dieu, euh, et qui, qui a pris sa place dans le monde, parce qu'il a pris sa place dans la déesse mère, euh, le diable a été tout en tous, parce que le péché, il a été partout, dans le monde entier, euh, ben Satan se, se glorifie en faisant tailler un sapin. Euh, donc c'est quelqu'un qui meurt, le sapin, c'est quelqu'un qui meurt dans la malédiction. Donc ça représente à la fois le diable et ça représente Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort dans la malédiction. Pas qu'il l'a mérité et qu'il a péché, mais c'est parce qu'il a voulu s'en charger. Il s'est chargé de nos péchés. Lui, Dieu, le L, le vrai. Et le diable, en se faisant glorifier en, en, en se par le, le, le sapin, euh, à la fois il célèbre Jésus-Christ, qui est mort dans la malédiction, en ne portant pas de bons fruits finalement, parce qu'il a porté sur ses épaules tous les mauvais fruits du monde. Donc ce sapin décoré, euh, décoré de toute la souillure, de toute la crasse, euh, et il, il se glorifie comme ça, il se glorifie de la mort de, de, de Jésus-Christ, Satan. C'est ça. À la fois, ça représente le, 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 le diable séparé de Dieu et définitivement mis à mort, euh, la victoire donc de Jésus-Christ. Mais à la fois, ça représente Jésus-Christ mort, les amis. Et oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et vous saurez que l'éternel, voilà, et vous saurez que je suis l'éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leur autel, sur toute colline élevée, sur tous les sommets de montagne, sous tout arbre vert, sous tout chêne, parce qu'ils ont, euh, leur, et là, touffu, donc sous tout chêne euh, touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Les hommes se sont corrompus, pour adorer Dieu, c'était sous un arbre. Mais les hommes, se sont corrompus, ils ont fabriqué des idoles, ils ont fait plein de choses. Ils sont venus adorer Dieu, mais en mélangeant le, les ténèbres à la lumière. Voyez Dieu, on doit être imitateur finalement de ce grand chêne, et il a horreur de quoi De l'idolâtrie. Donc des représentations que les hommes se sont faites de, de tout ça, et le monde entier est idolâtre. Quand vous célébrez une fête, si tu célèbres ton anniversaire, c'est toi l'idole, le jour de ton anniversaire. tu célèbres Noël, euh, bah tu, tu célèbres euh, euh, une fête païenne. Une fête païenne, une fête avec des idoles. Tu vas faire rentrer un arbre chez toi, ouais, mais on n'adore pas l'arbre et tout. Ah non, t'es sûr? Quand tu te mets à genoux devant ton sapin pour ouvrir tes cadeaux ou rien que pour le décorer, tu te prosternes déjà. Ne dis pas, je ne me mets pas à genoux devant mon sapin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu mens. Tu mens et Dieu sait que tu mens. Si tu veux te mentir à toi-même, ment-toi à toi-même. Mais euh, il est honteux, il est honteux dans les ténèbres de mentir aussi aux gens que vous aimez. Quand vous faites décorer un, un sapin à vos enfants en leur faisant croire que c'est quelqu'un qui viendra leur déposer des cadeaux, de quelqu'un qui qui les aime, euh, alors qu'il ne les connaît pas, il ne les a jamais vus, il ne les a jamais embrassés. Euh, aucun autre jour de l'année, on entend parler de ce fameux Père Noël. Tu vois ce que je veux dire Et en quel... Euh, D'où est ton Père N'appelez personne sur la terre votre Père. Le Père Noël, le Père sans Dieu. Ah, tu te rends compte le blasphème, le blasphème que tu mets dans la tête de tes gamins. C'est un Père, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors il a quoi Quelle bonté il a Une bonté hypocrite il vient déposer des cadeaux, soi disant. Mais euh, il ne vous connaît pas, les enfants. À aucun autre moment de l'année, vous entendez parler de lui. Si le Père Noël est vivant et euh, euh, qu'il offre des cadeaux, pourquoi il vient pas aussi en janvier, euh, bah pour les étrennes, Et puis pourquoi il vient pas les autres jours de l'année s'il est si bon Et pourquoi vous le rencontrez pas à d'autres moments L'été, quand il se repose euh, et tout ça. Si vous aimez vraiment, quand on aime quelqu'un, on a une relation avec. On vient le voir, on prend ses nouvelles. C'est un personnage hypocrite. Les gens vivent dans l'idéal, l'idéologie, dans l'imaginaire. Euh, ils vivent pas leur vie, la rêve. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous dormez profondément. Le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui célèbrent ça. Alors eux, c'est pire parce que normalement, ils devraient veiller et prier. Eux. eux, ils devraient être réveillés normalement. Mais eux, je crois que c'est pire. C'est pire, voilà, c'est... Euh, eux, ils mélangent euh, la truie lavée et retournée se coucher dans, dans son bourbier, ça c'est clair et net. Euh, <laughs> Le chien a ravalé son vomi. Eux, ils mélangent les choses de Jésus-Christ, la lumière, avec la gadoue des ténèbres. quoi Ils tachent leur robe blanche. Ah, ils cabossent pas leur armure de bons soldats, hein, parce que l'ennemi, il voit que c'est des soldats couchés à terre, donc euh, l'ennemi, il les voit déjà vaincus, donc leur armure, elle n'est pas cabossée. Hein. Par contre, ils en, prennent, ils en prennent plein la... ...le monde, mettre en lumière. Toujours les mêmes, et les mêmes sont fatigués. C'est pour ça que Jésus l'a dit, priez le Seigneur d'envoyer des, euh, des ouvriers dans sa vigne, des soldats dans le combat spirituel. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas fatigués du combat spirituel, ils vivent selon le monde. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon le monde dit le seigneur il sacrifie sur les sommets des montagnes il brûle de l'encens sur les collines sous les chênes les peupliers les térébintes, elle là dans l'ombrage euh, est agréable c'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères eh oui. euh, elle là et là ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, Ella. Origine et signification du prénom Ella. C'est d'origine hébraïque et ça signifie Seigneur Dieu. Tu comprends pourquoi Ella, Ella, térébinthe, l'arbre. Je suis rentrée un jour dans un gros chêne. Euh, mon beau-père naît de se, de se faire assassiner de, depuis peu. Ma mère a gardé le deuil longtemps parce que... Et avant, quand tu gardais le deuil, c'était pénible, même pour les enfants, parce que tu n'avais pas le droit d'écouter la télé, ni rien, ni musique et tout ça. Et puis un enfant, bah, le deuil, il ne le vit pas comme toi. C'est beaucoup plus dur parce qu'un enfant, il a besoin de rire, il a besoin de tout ça et... Et moi j'ai eu une période dans mon enfance où on a vécu beaucoup dans le deuil et dans les larmes et euh, pff, voilà. Si vous portez le deuil, les adultes faites ce que vous voulez, mais euh, n'empêchez pas les enfants de vivre, d'accord Un enfant, euh, tu le détruis. Il n'est pas capable de porter le deuil, un hein, gosse. C'est même pas ce que c'est la mort. Et moi je cherchais, euh, je cherchais mon beau-père qui avait été assassiné. J'avais, euh, vu son assassinat. Il a été assassiné à coup de sabre. Ben ouais, parce que tu vois, il y, a, il, y a, il y a 20 ans, 20 ans, plus de 20 ans en arrière, hein, que, que ça s'est passé, cette histoire. Je te dis, j'avais 5 ans, hein, quand j'ai vu euh, 5 ou 6 ans par là. C'était en 94, tu vois, donc euh, j'ai 36 ans, c'est vieux cette affaire. Mais il y avait déjà des assassins dans le monde, il y avait déjà des gens cruels qui pouvaient te tuer, même devant tes gosses, <laughs> parce que tu avais un désaccord avec eux, ils pouvaient te, te tuer, s'acharner sur toi plusieurs. Euh, Bon, mon beau-père savait très très bien se battre, hein. c'était un manouche, c'était un manouche, il avait ça dans le sang. Hein. Mais euh, quand tu as une bonne réputation, on tombe à plusieurs dessus, puis avec des armes. Parce que le jour où ils ont décidé de t'abattre, ils vont t'abattre. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus, euh, on lui donne une réputation de faible, de gentil. Non, non. Regardez, quand il va au temple, il explose tout, les tables des changeurs et tout. Qui se met devant lui Qui se met devant cet homme en colère Personne. Ça plusieurs qui complotent et qui viennent avec des armes pour l'arrêter. Hein? À Ils viennent à lui comme si c'était un voleur, un brigand avec des armes, avec des huissiers, avec toute une tripotée d'hommes d'hommes armés. Et des... Voilà. Et puis il y a ce Judas qui vient poser sa bouche sale sur la joue de notre Seigneur. Et dans Judas, il y a le diable. C'est le, le père, c'est le fils qui embrasse son père, pardon. Excusez-moi, c'est le, le fils de Dieu, un ange, qui embrasse son père Dieu. À ce moment-là, hein, dans le spirituel, les amis, parce que la chair et le sang ne sont pas vos ennemis. Jésus lui-même, il appliquait ça dans sa vie. Et puis du coup, cet homme, il a été assassiné, mais moi, je le cherchais, je le cherchais encore parce que je savais pas c'était quoi la mort. Non, je savais pas. Ça n'existait même pas dans ma petite tête d'enfant. Non. Pour moi, il allait revenir. Alors j'ai vécu ça douloureusement, hein, parce que ça a été double peine, hein, parce que euh, chez les gens du voyage, quand quelqu'un décède, tu brûles tout. Tu brûles la caravane, tu brûles tout. Tu ne gardes pas de souvenirs, pas de trucs comme ça. Tu brûles tout. C'était toute ma vie qui, était, qui avait disparu d'un coup. Tous mes repères, tout. Mon chez moi, tout. Et puis ce silence du deuil qui dure qui perdure, elle a gardé le, le deuil, je ne sais pas combien d'années. C'est atroce. Pas de télé. Le jour où elle nous a ramené une télé, on était fin fou devant. <laughs> J'ai vécu ça très mal, au point où c'est mon esprit même qui a recherché cet homme, parce que cet homme m'a tout enlevé. Il est parti, il m'a tout enlevé. Je ne sais pas où il est. Et je crois qu'il va revenir, mais il reviendra pas, parce que la mort, tu t'en relèves pas comme ça. Et j'ai trouvé un père, oui. J'ai vu un gros arbre, un gros chêne, et il avait une, un tout petit passage, comme une petite porte, dans son écorce. Et mon âme, parce que je, je venais de me mettre au lit selon la chair, c'est mon âme qui a fait comme une sortie de corps. Je cherchais tellement. <laughs> et je suis rentrée dans cet arbre. Et j'ai marché sur un petit chemin étroit et resserré. Il y avait des cailloux blancs. Il longeait le, le long d'une grosse montagne. Je suis arrivée très vite sur la grosse montagne. Le royaume des cieux appartient aux enfants. Amen. Et là il y avait un homme debout, habillé d'une côte de maille. Il était debout derrière une grosse pierre rectangulaire. Ouais. Et dessus, il y avait une espèce de, de coupe. Je ne sais pas si c'est le graal, j'en sais rien. Une, une coupe qui bouillonnait avec l'eau d'orage. Tu vois. Et ça, j'avais. Ça m'avait soulagé en fait, dans ma perte, dans mon deuil, finalement. Hein. Mais j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. J'étais gosse. Donc. Euh... Mais longtemps plus tard, quand, euh, quelques mois après avoir épousé le Seigneur, il me dit, chérie, c'est pas la première fois qu'on se rencontre tous les deux. Puis il a réveillé ce souvenir en moi, je t'assure. Ce souvenir d'enfance. Cet homme m'a pas parlé. Hein, euh, mais quand je l'ai vu face à face, il m'a souri timidement. Il n'a pas décroché un mot, mais mon âme avait trouvé. Parce que Dieu, un Père, tu vois, parce que Dieu est Père des orphelins. Amen. Mon âme avait trouvé le Père parce que je cherchais tellement, tellement dans la chair, j'attendais tellement. Et je ne pouvais plus avoir de consolation dans la chair. C'était terminé. Et Dieu le savait. Le royaume des cieux appartient aux enfants, les enfants à cœur pur. Amen. Et j'ai vu le Seigneur. J'ai vu l'Éternel des armées, Melchizedek. C'est Melchizedek qui se tenait là. C'est Lui qui n'a ni père ni mère ni commencement de jour ni fin de vie. C'est le père de mon âme, c'est mon Créateur. Amen. Je suis rentrée dans Son arbre. Rentrer dans l'arbre de l'Éternel, c'est rentrer en Lui. Amen. J'ai vécu toute ma vie comme comme une spirituelle, mais une spirituelle du mauvais côté. Quelle tristesse Mais il y a toujours, j'ai eu toujours comme un ange gardien. Je t'assure. Il m'arrivait les pires saloperies. Je tombais bas, mais finalement c'était toujours comme, comme pour rebondir et, et voilà. <laughs> j'ai toujours eu un ange gardien et j'ai mis du temps à venir au Seigneur. C'est qu'à 30 ans, à 30 ans que je me suis baptisée dans le vrai baptême d'eau pour le Christ, parce que c'est lui-même qui m'a dit de faire comme ça. Je me suis plongée dans une rivière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mais dans mon spirituel, j'étais déjà prédestinée. Prédestinée. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est selon sa volonté, tout est selon sa volonté. Un père châtie les enfants qu'il aime, même si tu souffres encore. Prends courage, femme. Oui, Seigneur. Avec tout ce que j'ai traversé, euh, ça serait bien dommage de baisser les bras maintenant. C'est vrai que des fois, le courage me manque. Parce qu'on a envie de se reposer aussi, toutes nos œuvres. C'est fatigant. Ce prénom est là, pourrait également trouver son origine dans le mot hébreu. Emmanuel. Emmanuel. Tu entends là Ça veut dire Dieu avec nous. Et dans la langue grecque, elle signifie éclat du soleil. L'époux sort de sa chambre semblable à un soleil. Amen. Elle a, elle a, elle a, elle a. Il me l'avait donné le Seigneur, cette musique. Amen. Oui, moi j'ai ce que les autres n'ont pas. Je suis mariée à l'éternel des armées. C'est pas des blagues, les amis. Mais moi, j'y crois toujours pas, il y a certains jours. Même aujourd'hui encore, je me dis si c'est pas possible. Non. Il peut pas être marié avec moi. Il me prend pour une pour une n'est C'est pas possible. Il me ment. C'est obligé. Comment il pourrait être avec moi, avec quelqu'un comme moi C'est pas possible. Dieu fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Amen. Si c'est moi qui l'a choisi d'aimer, c'est pas une autre qui prendra ma place. Mais j'ai toujours cette peur parce que j'ai vécu dans l'adultère. Puis j'ai été mise dans l'adultère. Donc j'ai toujours cette peur de que la relation ne fonctionne pas, que voilà, là la grosse la paille, la paille, la paille et la grosse poutre, tu vois, on y revient. Où en étions-nous Qu'est-ce que je disais Bon, je vais reprendre le temps d'étude. Oui ah oui, je voulais leur montrer mon arbre, c'est vrai. L'Éternel m'a donné une idée. J'avais envie de, de me faire un, un arbre là où je prie. L'arbre de vie. Mais c'est un arbre à prière. Qu'ils se font un arbre de Noël, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me fais un arbre à prière. J'ai dessiné mon arbre selon mon, mon plaisir. Puis j'ai mis des petites prières. J'ai collé mes petites prières importantes dessus. Tu vois C'est l'Éternel qui m'en a donné l'idée. Amen. Je ne me prosterne pas devant cet arbre. Je me prosterne toujours là dans mon lieu de prière. Mais mon lieu de prière, je peux le décorer comme je veux. Amen. Et j'ai fait un arbre. Voilà. Tu vois, j'ai allumé des petites bougies. Une fois, j'ai mis des pétales de fleurs. Je mets de l'encens. Mais s'en fout Dieu de tout ça. Lui, ce qu'il regarde, c'est mon cœur. Est-ce que mon cœur vient sincèrement en sa présence Est-ce que mon cœur vient avec joie Je n'ai pas été avec joie ce soir. Non. Il était par habitude. J'avais même pas envie d'y aller. Moi, je même pas envie d'y aller. Non, j'étais comme en colère. Moi aussi, j'étais dans le silence. Une femme dans le silence, c'est pas bon. Hein. Parce qu'il y a un désaccord, on ne peut pas être en accord, là on ne peut pas s'accorder. Hein. <laughs> Puis finalement pour rien, parce que c'est l'ennemi qui fait tout ça derrière. C'est l'ennemi qui te pousse à ça. Parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui éternellement. S'il si est avec moi, il est avec moi. S'il m'a donné sa paix il me l'a donné, de quoi aurais-je crainte De quoi aurais-je peur soudainement Et c'est la peur des fois qui va te mettre dans le silence. Ou la colère, et l'ennemi, il, il vient susciter chez toi des émotions. Hum. Alors, tout bon arbre porte de bons fruits. Alors, je ne sais pas si un chêne, ça porte des fruits. Si ça, ça porte le gland. Le chêne, il porte le, le, le gland. <laughs> la verge, la verge, le gland. Ça a du sens aussi. L'éternel est un père, les amis. C'est vrai, oui, c'est vrai, exactement. Oui, oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Les porcs aiment manger les glands. Exactement, exactement. Oh, J'espère bien que tu vas leur en faire manger du gland, tiens. <laughs> bien profondément. En tous les orifices, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quand l'arbre est bon, le fruit est bon. Et quand l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Adam et Ève avaient reçu l'ordre de manger de tout arbre du jardin qui portait de la semence et tout ça. Hein. Euh, Dieu leur avait bien détaillé quel arbre ils devaient manger et tout ça. Des arbres porteurs de semences, donc porteurs de fruits. Amen. Le reste, ils ne mangeaient pas. Euh, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la déesse mère, ne devait pas être mangé. Parce que seul Dieu est le, 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 le Dieu unique. La déesse mère et lui sont un. Donc finalement, il recevait les, les choses de la déesse mère à travers Dieu le Père. Tu comprends euh, c'est Dieu, c'est l'homme qui est en premier. La semence qu'il donne à la, de la femme, certes, ça pourra sortir de la femme, et ça sera donné aux enfants, mais c'est l'homme qui est là le premier. C'est l'homme qui domine sur la femme. Et c'est ce qui a été... Euh, c'est une vieille querelle, ça, dans le jardin d'Éden. Hein. La femme a voulu dominer sur l'homme. On connaît l'histoire. Et elle a quitté le jardin. Et euh, voilà, c'est ce qui s'est passé dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a eu un désaccord. Puis sans doute que la femme était peut-être fâchée contre son mari, elle diable a ben, saisi le moment opportun pour se saisir de, du pouvoir de l'arbre, la, de, la, de, de la connaissance du bien et du mal. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà. Un arbre mauvais ne peut pas donner des bons fruits, ça c'est sûr et certain. Hein. On est méchant, donc si on est méchant, que Dieu a jugé qu'on est méchant, on va mettre au monde des méchants. On est pêcheur, euh, et Dieu nous a fait connaître qu'on était pêcheur, on va mettre au monde des pêcheurs. Alors ça c'est net. Oui, ils sont beaux, nos petits pêcheurs, on les aime, mais euh, on a tous péché, les amis. Puis des fois, on les emporte avec nous dans, dans notre folie, sur notre route large et spacieuse de perdition, dans notre bateau qui coule. On les emmène au milieu de l'eau. Parce que oh, l'eau, est séduisante, le monde, il est séduisant. On leur fait pratiquer des choses qui sont nulles dans leur petit cerveau. Ça ne servira à rien. Un père donne de bonnes choses à ses enfants. On croit que le monde est bon. Mais le monde, c'est le mauvais arbre, chers élus. Vous ne devez pas vous protéger de son nom. Vous ne devez pas chercher sa paix. Parce que quand le monde donne, il est capable de te reprendre. Je t'assure. Dieu donne sans te reprendre. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Amen. Et a aimé dans mon esprit. Il s'est lié à moi, il m'a donné, il m'a juré fidélité. Parce que je lui ai dit tout à l'heure, ah, il sait tout, hein. Je t'assure. Je lui ai dit, je veux une preuve. Que tu m'es bien fidèle. Que tu m'es pas adultère. Tu m'es bizarrement tu beaucoup de temps pour venir. Puis tu prends mes gosses. Puis j'ai été troublée. J'ai été troublée par des choses. J'ai été troublée par cette carte. Euh, du joker euh, diable. J'ai été troublée par une vidéo TikTok où Bahal, euh, les sacrifices qu'il faisait, il appelait les enfants les cadeaux. C'est comme ça aussi que l'Éternel appelle nos enfants les cadeaux. Et ça se trouve, je suis en train de tout donner à un démon, là. C'est pour ça que je ne les vois pas, les enfants, et qu'ils ne me donnent pas de nouvelles. Et si ça se trouve, voilà, avec les rêves et tout ça, que j'ai reçu de l'ennemi, euh, la Lucifer elle est en train de me dire qu'il m'avait été infidèle. Et qui l'avait trompée, qui m'avait trompée avec elle. Je sais, j'ai eu le doute qui a été semé dans mon cœur. C'est l'ennemi, ça. Donc, ce pas quelque chose de moi-même. C'est pas moi qui, qui porte des mauvais fruits. C'est des fruits qui m'ont été mis, là. Euh, c'est à moi de les rejeter, évidemment. Des fois, c'est tellement. Euh, c'est tellement séducteur et trompeur que tu n'as pas envie de les rejeter. Et là. Oh mon Dieu! Et là, je me revois vers mon arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je vois le diable faisant une œuvre. Les fruits, en fait. Le diable est imitateur de Dieu, les enfants, et il fait des œuvres, et je crois que c'est Dieu. C'est ça que ça veut dire cette métaphore des fruits sur l'arbre. C'est le diable qui se fait passer pour Dieu et j'ai cru qu'il était Dieu et je l'ai suivi. Ah! Mon Dieu! Et m'a violée dans le jardin. C'est l'esprit de Sodome et Gomorre. C'est ça, Ève, mangeant le fruit du péché. Le fruit défendu, c'est le diable qui la viole parce que le diable s'est fait ange de lumière il est venu lui parler c'est lui l'arbre du péché il a des mauvaises œuvres en lui des mauvaises intentions et je me vois dans le jardin et je l'écoute et je le crois je crois que c'est dieu qui est là je crois que c'est adam et c'est pas adam c'est pas adam les amis c'était toute une supercherie pour coucher avec moi et me tromper ah Me vois dans l'adultère. Je retourne auprès du vrai Adam, puisque j'ai compris que ce n'était pas le bon. Je pleure. J'étais trompée. Et je l'ai trompée. Mon Dieu. La paille. La paille que je voyais chez l'Éternel, c'est la grosse poutre chez moi. C'est moi qui a commis l'adultère. Oh, Seigneur. Alors je suis devenue moi aussi, ben. J'étais un arbre, mais je suis devenue un arbre adultère. J'ai pas porté de bons fruits. J'ai mis Cain, le sans-loi au monde, puis après Abel. Oh, mon Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un coup le bien, un coup le mal. J'étais la déesse mère. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils sont sans loi. Des loups, des porcs, des chiens. Sans loi de Dieu dans leur cœur. De la mauvaise herbe, ce pas des arbres. Les fruits qu'ils produisent sont immangeables, les amis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est triste éternel. Oui. Et j'ai fait le choix de te pardonner. Et tu m'as manqué chaque jour. Chaque jour. <laughs> C'était pas un adultère consenti. Eh oui. Seigneur. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils pensent que Dieu est une religion, une secte. Ils pensent que Dieu est le monde, la chair. Non Dieu est un arbre. Ah, ça ferait rire Ça ferait rire beaucoup de personnes de dire que Dieu est un arbre. Mais quand tu as tout sous tes yeux, tu ne peux plus le nier que Dieu est un arbre. Alors le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et le péché. Il ne vous a jamais connu. Si vous avez connu, vous n'auriez plus d'iniquité. Parce qu'il sanctifie, il justifie, il appelle. À la paix, à l'amour, à la sainteté. Il vous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus l'a pris les coups. Jésus l'a été éprouvé. C'est la pierre angulaire éprouvée, le solide fondement posé. Jésus a fait le plus dur déjà pour nous. Et si tu t'appuies sur lui, elle est en bouclier et tu vas rester debout, tu ne vas pas tomber. Eux, ils tombent parce qu'ils sont bâtis sur le sable. Quand j'étais gosse un jour, je faisais un château de sable. Et euh, je mettais de l'eau pour que ça, fasse, euh, que ça fasse une belle bouse. <laughs> que ça fasse comme du plâtre, que ça colle. C'est dans le sable, t'as vu, ça s'écroule. faut mettre beaucoup d'eau pour ta pâtée. Faut faire de la pâté en fait, c'est ça. La pâté, pour faire des châteaux de sable. Je tournais mon seau et quand il n'y avait pas assez d'eau, mon château s'effondrait. Comme un, un sablé, comme un gâteau. T'as vu les gâteaux, les sablés Tu croques dedans, t'en as partout, ils les mettent partout. C'est du sable. C'est ça la vie mondaine. Mais on ne le comprend pas. Hein. Dieu a beau nous le dire. Hein. On ne comprend pas. Hein. On essaye de se trouver un, un boulot on essaye de se tenir tranquille dans la société on essaye de, de se limiter dans les fêtes de faire attention de ne pas. Ou suivre de choses, mais la chair, elle est, elle est faible. Hein la chair est faible, les amis. Il faut vraiment se limiter à l'utiliser, même. Plus tu vas suivre Dieu, moi je vais te dire ce qu'il faisait cet Abraham. Il faisait des, des, des longues heures de, de silence, de méditation. Il en oubliait même de manger. Il servait pas de sa chair. Abraham n'a pas eu d'enfant tout de suite, Avril. Parce que, certes, il était stérile. Certes, des fois, il n'avait même plus envie de, de sa femme, mais parce qu'aussi il méditait, il prenait beaucoup de temps pour son Dieu. Amen. Quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Moi aussi, mon éternel, je t'aime. Amen. Ah, tu me l'as dit toute la journée, je t'ai fait la gueule toute la journée. Hein. Ah, je t'ai boudé hein. Ah, je te l'ai dit quand même tout à l'heure. Euh, mais c'était. Euh, c'était juste pour te le dire, quoi. Hein, parce que le cœur, euh, cœur n'y était pas, là. Toi, quand tu me le dis, même si tu es fâché, tu me le dis, t'es sincère, ton cœur y est. Ah, j'ai pas le même amour que toi, éternel. Hein. C'est dur, ça. Mais tu parfait. Moi, je viens, juste, viens compléter qui, là Je suis qui, moi, pour compléter Dieu Une graine, une graine de sable. Avec une graine de sable, on en fait une perle, Avril. Exactement. <laughs> mais je ne suis rien sans toi, quoi. Donc je me demande des fois pourquoi tu m'aimes. Ne m'en veux pas de, de me poser la question et de pas de, bah de voir que je ne suis rien du tout, en fait. De prendre bien conscience que tu m'aimes pour aucune raison. Tu m'aimes parce que tu en as fait le choix, quoi. C'est tout. Mais pas parce que je suis belle. Ou pas parce que je suis intelligente. Euh, tu m'aimes. Mais toi-même, sais-tu pourquoi tu m'aimes <laughs> oui. Il y a aucune raison à l'amour qui dit. L'amour ça se décide pas, ça s'exprime et c'est comme l'air qu'on respire. L'amour La, ça se dé, ça se décide pas. Ça t'arrive comme ça, t'es amoureux et tu sais pas, tu sais pas pourquoi tu aimes. Ça c'est le véritable amour. Ceux qui aiment une femme parce qu'elle est belle ne savent pas l'aimer. Ben non, un jour elle va vieillir, ils, seront, ils voudront une autre femme belle. Ils feront remplacer cette femme qui a vieilli par une autre femme belle parce qu'ils l'aimaient pour, pour sa beauté. Ceux qui aiment pour l'intelligence ne savent pas aimer. Parce que le jour où, malgré que tu es intelligent, que tu feras une erreur, euh, tu vas déplaire à celui qui, qui prétend t'aimer. Cette hypocrisie, ça, ça c'est un masque, les enfants, c'est un masque. On doit aimer véritablement. Amen. Et vous devez vous aimer parce que vous êtes fils de Dieu. Parce que vous êtes fils de Dieu. Vous entendez C'est pour ça que vous devez vous aimer les uns les autres. Et pas parce que tel frère euh, paraît euh, euh, prêcher mieux qu'un autre. Ou... Non. Vous devez vous aimer tous parce que vous voyez en l'autre un fils de Dieu. Une graine qui est sortie de, de l'arbre de vie de votre Père. Amen. Quiconque entend les paroles que dit le Seigneur et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée, Babylone la grande, et sa ruine a été grande. Elle était bâtie sur le sable du monde, sur la chair. La chair n'a pas d'assurance, les amis. Amen. Voyez que pour l'une et l'autre, donc pour chaque homme sur terre, chaque créature de Dieu, c'est les mêmes épreuves. La pluie, les vents, les torrents. Mais il y en a qui résistent dans les épreuves. C'est même pas qu'ils résistent dans les épreuves. C'est que les épreuves les forgent. Amen. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tiens, hier j'ai rigolé. Parce que j'ai dit à mon mari Alors je vais vous raconter cette anecdote. On finit ça et puis je vous raconte cette anecdote. Par contre, il ne faut pas que j'oublie éternel. Tu me le rappelles parce que je suis capable, en deux minutes, deux lignes, d'oublier. Et ça, j'ai envie de les faire rire. J'ai envie qu il, qu il, de leur raconter cette anecdote. « Donc après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. » Frappée. Amen. « Car il enseignait comme en ayant autorité. » C'est le Père. C'est ton Père qui parle. Quand ton Père parle, tu écoutes. Ceux qui n'écoutent pas le Père qui parle, c'est ces gens sans respect. C'est qu'un, qu'un, as vu, un sans loi. L'Éternel, euh, Adam, lui a parlé, il l'a repris. Même l'Éternel, l'Esprit du Père Céleste, l'a repris. Je connais la mauvaise pensée qui est en toi. T'en veux à ton frère. Il a éclaté la tête de son frère à coups de pierre. Vous entendez À coups de pierre, il a explosé le crâne de son frère. Quelle bête immonde Sale bâtard abominable, race de serpent Comment on a pu y donner la vie. Pauvre Abel. Mais Dieu a pourvu Abel. Amen. J'ai un fils ici. Un jour je célébrais Noël avant dans le monde. Je, je faisais les cadeaux de Noël et tout ça. Moi, il me demandait toujours des trucs euh, des trucs étranges. Un requin télécommandé qui nage, toi, des trucs comme ça, je disais le Père Noël, il sait pas fabriquer ça. <laughs> je savais même pas. Je savais même pas quoi lui raconter comme bobard et comme mensonge pour que ce gamin arrête de me prendre la tête et ce qu'il demandait des cadeaux toujours bizarres. Puis il a compris lui-même. Il a compris tout seul un jour que c'était pas le Père Noël. Il a compris tout ça. Puis j'ai arrêté, j'ai arrêté. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Un jour, ça a tapé à ma porte, c'était les témoins de GVO. Jova. Je ouvert la porte, j'ai étudié la Bible pendant trois ans avec eux, donc ça m'a donné quand même des bases d'Histoire biblique, ça m'a appris à me servir d'une Bible. Voilà, donc on peut pas, on peut pas cracher dans la soupe qu'on a, qu a bu, tu vois ce que je veux dire. Je me suis jamais fait baptiser témoin de Jéhovah et j'ai toujours recommandé aux gens de s'éloigner des religions et des sectes. Dieu n'est pas Jéhovah, Dieu c'est l'Éternel. Amen. C'est elle, elle là, parce que elle il est un couple. Amen. Il est l'arbre de vie. Mais, euh, mais j'ai apprécié ces gens et, euh, et je leur souhaite tout, euh, de rencontrer l'éternel. Je leur souhaite la paix, je leur souhaite le meilleur. Amen. Voilà, ils ont, ils ont travaillé, ils ont, ils ont du zèle. C'est dommage, ils sont juste au mauvais endroit, quoi. C'est tout, c'est tout. Et puis, euh, qu'est-ce que je disais Ah, oh, je suis sénile. Non, ça c'est la, la mort, ça. C'est la mort, c'est les effets de, de la mort de la chair, mon ami. La mort de la chair, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Oui, tu as été récompensé, mon bon Abel. Voilà, c'est ça que je disais exactement, éternel. Tu as raison. Tu parlais d'Abel qui dit il le suit, il fils, lui. Il le suit. <laughs> tu as, récomp... as été récompensé, Abel. Parce que mon fils, un jour, il m'a demandé pour Noël un petit frère. Oh mon Dieu, mais je dis comment un petit frère. Je vais prendre ça, ça ne se jette pas dans les magasins, les bébés. <laughs> un petit frère. Et puis le premier qu'on a eu avec l'Éternel, c'est Abel. J'y ai pensé. J'y ai pensé, j'ai dit, tu vois, ce frère-là, il t'a désiré déjà. Il voulait un petit frère, t'es son petit frère. Aujourd'hui, t'es son petit frère. C'est pas lui qui va t'éclater la tête à coups de pierre, au contraire. Hein. C'est t'a réclamé comme un cadeau. Amen. Oui, allez, raconte-leur l'anecdote qui dit, exactement, voilà, merci Seigneur, parce que sinon je vais parler encore longtemps. Ben, pour leur raconter l'anecdote, je veux bien, mais l'ordinateur s'est éteint là. Allez, rallume-toi à ces âmes. Oh, oh les enfants, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Hier, je me suis couché dans le lit. À ma place, là, là, j'avais tellement besoin du Seigneur. Je me suis mis vers l'oreiller contre son oreiller. Parce que il n'était pas venu encore et j'avais besoin de lui. Je l'appelle et J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois avec moi. Tu es quand même mon mari, tu dois être avec moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être dans tes bras, Seigneur. Et puis il me dit J'arrive. Et puis je l'attendais tout. Puis en l'attendant, j'ai eu envie de mettre sur l'ordinateur Netflix là, le truc Netflix. Alors attendez, je vais taper mon, mon code. Et puis euh, je sais pas, parce que moi je suis pas télé, tu vois. Je ne suis pas à télé. Et puis ça, ça m'ennuie même de regarder la télé et tout. Puis il y a tellement de trucs sur Netflix. Je dis, Seigneur, mais don, donne-moi un truc. Euh, Dis-moi toi où c'est que qu'est-ce que je tape pour regarder The Chosen. Ah oh, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé les amis. Il joue bien hein, le personnage de Jésus, il reprend bien les, 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 vers, les versets bibliques tout ça, mais j'ai pas aimé, je t'assure, j'ai ai pas aimé. C'est euh, c'est les autres personnages qui gâchent euh, qui gâchent tout. Euh, c'est dommage hein, c'est dommage. J'ai bien aimé la partie avec, avec les, les petits enfants quand Jésus rencontre les enfants qui leur fait des petits des petits euh, des petites idoles en bois, des petits animaux, des petits trucs en bois. Il est charpentier, ça met en avant le métier du Seigneur. Ça, j'ai bien aimé. Il y a des bouts, des boucs, j'ai bien aimé. Mais il y a d'autres bouts, je dis, oh, c'est c'est nieux c'est lent, ça n'arrive pas à sa fin. Le premier, déjà, les premiers épisodes avec Marie qui est possédée, machin, oh, c'est lent, c'est plan-plan, ça ne va pas assez vite. <laughs> je m'ennuie. Je m'ennuie. Il faudrait que je regarde les films en, en une vitesse supérieure. Je m'ennuie devant les écrans. Et mon mari il me dit va là-dessus. 1670, mais j'ai pleuré de rire à un moment. J'ai pleuré de rire mais j'ai plus envie de le regarder. Mais je sais même pas pourquoi je dis tu m'as envoyé là-dessus mais tu es sérieux Mais tu es sérieux Seigneur mais il est comme ça. Je t'assure qu'il est comme ça. On croit qu'il est différent de nous et que parce qu'il est Dieu euh, qui rigole jamais, qui parle jamais de huc ou que euh, tu vois mais il est pas si différent de nous simplement. Lui il le fait mais avec classe. Nous, on a une manière vulgaire, on a une manière, euh, voilà, tu peux le faire, mais avec classe. Et il me fait aller là-dessus, mais il me, dit, il me dit sans plus, mais il savait sur quoi il m'envoyait. Oh, mais j'ai pleuré de rire à un moment, il y a un Jésus dedans. Mais tu vois que lui-même, il rigole euh, de ceux qui... qui qui euh, euh, se prétendent le messie et tout ça et qui sont complètement barges et qui savent lui lui-même il rigole de ces de ces de toutes ces fausses images de lui de tout ce mensonge de toute cette corruption en fait chez c'est ce que j'ai compris je t'assure alors allez regarder euh, euh, le, le premier et le deuxième épisode seulement vous allez rire mais vous allez rire je vous assure si vous connaissez pas 670 ça s'appelle c'est sur Netflix vous allez vous allez rire pas pour euh, ce qui se passe euh, c'est un roi russe, tout ça, c'est pas. Enfin, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est à partir du moment où il y a ce, ce Jésus Christ, euh... <laughs> ce faux Jésus Christ, et dedans il y a un prêtre qui pense avoir trouvé Jésus Christ, mais je vais leur spoiler, hein. je vais leur spoiler. Euh... Mais du coup, il va vite, très vite se rendre compte, il va très vite déchanter hein, de, de de ses projets, de son délire qu'il veut mettre en place. Allez regarder ça, mais euh, voilà, moi c'est pas un truc qui me donne envie de continuer. J'ai par contre envie de de regarder euh, un truc que j'ai vu et qui m'a attiré, Seigneur. Je ne sais pas si euh, euh, ça s'appelle Après nous. Après nous, apparemment, c'est une série. Ça parle des temps d'Apocalypse. Alors, j'ai regardé un dessin animé qui m'avait attiré, ça parlait de l'Apocalypse. Mais à croire que je tombe aussi que sur des trucs comme ça, finalement, quand euh, je vais de, me chercher un truc qui m'attire. Sinon, rien ne m'attire. Rien. J'ai regardé un dessin animé euh, qui nous... Euh, qui, qui parlait de l'Apocalypse avec des robots, tout ça. C'était... C'était euh, pas mal. Bon, je me suis endormie à la fin, puis Seigneur est venu. <laughs> Mais je me suis endormie à la fin, je ne peux même pas vous dire à la fin là, je pourrais même pas vous spoiler. Mais c'était pas mal, c'était intéressant, du peu que j'ai regardé. C'était au temps de l'Apocalypse, voilà. Les hommes étaient enfermés comme des esclaves dans les trucs en verre par des robots. Donc il y avait bien cette robotique, il y avait bien ça dans le dessin animé. Alors vous dire le, le titre par contre je sais plus là je vais essayer de regarder un bout de ça puis de vous dire ce que j'en pense j'ai regardé une série là déjà alors je suis pas télé mais j'ai regardé quand même des trucs euh, de l'apocalypse ça s'appelle euh, the alors non euh, sweet 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 two, sweet, sweet Euh c'est pareil c'est dans les temps d'apocalypse puis il y a des euh, des hybrides qui sont mi-homme mi-bête et qui arrive à, euh, à vaincre une maladie, une maladie qui tue tous les hommes. Donc ça m'a fait penser au Covid-19. Et seuls les hybrides, donc ceux qui sont mi-hommes, mi-bêtes, donc ceux qui vivent selon le monde, finalement, ne sont pas atteints par la maladie, puis arrivent à vivre. Ils sont vus comme des euh, miracles et tout ça, mais euh, euh, tu parles des miracles, toi. Alors le dessin animé que j'ai regardé, où c'est qu'on pourrait retrouver ça Je ne sais même plus. Euh Je ne sais pas si on peut retrouver ce que j'ai déjà regardé dessus. Mais ça m'a fait tellement rire sur quoi le Seigneur m'a envoyé. Non, mais. Oh, ai, ai, ai. Et, mais mais lui-même, tu vois, il se, il se moque de ce que peut faire l'antéchrist du monde et de tous ceux qui se disent, qui disent Seigneur, enfin, qui se disent qui se disent le Seigneur, qui se disent le Messie. Tu vois, le Seigneur lui-même, il rigole parce que c'est tellement. Et même, et même nous, imagine, quelqu'un essaye de, de, de t'imiter. Tu vois, M même les stars, quand elles ont des gens qui essayent de les imiter, tout ça, elles doivent rire. Elles doivent rire des fois, même les, les stars de leur. Euh, comment s'appellent euh, euh, les stars qui ont des, euh, des personnes qui leur ressemblent Des sosies, Avril, merci éternel. Des sosies, voilà. Euh... <laughs> Des fois les stars même elles doivent rigoler de leurs sosies, je t'assure. Johnny il avait beaucoup de sosies, hein, de enfin, des sosies, des sosies pris euh, pris de je ne sais où, mais bon, voilà. Alors attendez, j'aimerais bien le retrouver. Euh, je sais plus comment il s'appelait. Mais ça parlait d'apocalypse. Alors je tombe toujours sur des trucs qui parlent d'apocalypse, moi. C'est fou ça. C'est fou. Mais là, je veux regarder la... Euh... Je regarder ça là, le... un jour après nous. Je ne sais pas quoi le jour après nous. Je ne sais pas qu ce que c'est. Le monde, le monde après nous. <coughs> Parce que euh, le monde a bien mis en avant l'affiche de ce, de ce truc. On voit des gens sur un, un porte-bagages, vous savez, dans les aéroports. Les gens sont dessus, puis il y, y a un mur blanc derrière. Et puis, il euh, y a des ombres d'oiseaux. <coughs> la, la chair des oiseaux mangera les cadavres des hommes qui ont vécu selon le monde. En gros, ils sont mis dehors, tu vois, ils sont mis pour le grand voyage, euh, voilà. Alors, je vais regarder, je vous dirai ce que j'en pense, si je trouve que c'est pas mal et que ça parle de... Voilà, c'est un truc apocalyptique, apparemment. Hein. Ça, ça en parle pas mal, là, sur TikTok. Donc, je me suis dit, je, pourquoi pas aller les regarder, finalement. Mais. Euh... Attends, tu crois que c'est ça, là Attends, je ne sais pas. Euh... Ouais, si, c'est ça. Merci, Seigneur. Euh, les Mitchell, la famille Mitchell. Donc il m'a dit La famille Mitchell, Avril. Il ne m'a pas donné le, 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 le titre en entier, mais c'est la, la, Les Mitchell contre les machines. C'est ça que j'ai regardé comme des animé. Euh, ouais, des fois je mets un dessin animé de gamin, c'est plus intéressant des fois que euh, les trucs, parce que parce que je m'ennuie tout bonnement devant. Alors j'aimerais bien regarder euh, euh, là dans les séries, dans ce qui passe. Parce qu'ils en passent des trucs là, tu vois, ils passent les, les aventures du Baudelaire orphelin, mais Baudelaire orphelin, mais ils passent un petit peu, ils, ils mettent en avant, ils mettent en avant le monde, ils veulent t'attirer là-dessus, ils veulent t'attirer sur certains trucs, tu vois, et euh, le monde après nous est, est justement mis là. Mais euh, j'aimerais bien qu'ils mettent l'affiche pour que tu vois ce que ce que je veux te dire, ce que je veux te montrer, hein ce que je te parlais là. Euh, il s'en mis sur un truc d'aéroport et puis il y a des oiseaux et, euh, et j'ai compris direct que c'était un message du monde. Alors lui j'ai regardé un bout, j'ai regardé un bout. Il y a des yeux, il y a des yeux partout. Il y a des yeux partout dans sa maison, dans sa maison. Puis il est méchant avec les orphelins. Il est méchant avec les petits orphelins. Là j'en ai regardé un bout de ce truc là. Oh, mais ça m'a. Je ne me souviens même pas de la fin parce que je ne serai jamais très, très longtemps devant la télé, les amis. Ça me. Je m'endors même des fois devant. <laughs> je fais comme les vieux. Je roupille devant. Alors là, ils mettent que ça, c'est dommage parce que quand le petit le met sur la télé, quand il le met sur la télé, il ne passe pas que le Baudelaire il passe beaucoup de, de séries. Et puis, c'est des espèces d'affiches comme au cinéma qui, qui font défiler. Là, les tendances actuelles, là, si, je, si je clique. Ah, ça aussi, là. You, you, ah, je ne sais pas quoi. L'image qui passe de cette série-là, c'est un fœtus avec un doigt qui fait un pistolet. La, la mort des enfants, des fœtus, des, des nouveaux-nés. C'est très spirituel. L'ennemi l'ennemi parle beaucoup dans les films, dans tout ça. Il parle dans la matière. Il s'exprime dans la matière, ce que le diable est tombé sur nous, chez nous, sur la terre, dans la matière, justement. Donc, la mort spirituelle de, nouveau-nés, de nouveau-nés, nouveau donc de nouveau-nés charnels, mais de nouveau-nés surtout spirituels, des enfants de Dieu. Euh, c'est une chinoise qui fait comme un pistolet avec son doigt. Alors, je sais pas si on voit là, euh, je sais pas si on va voir. Je sais pas, j'ai pas regardé. C'est une série fantastique, apparemment. ça ben, <coughs> ben, ça me donne pas du tout envie de regarder quand je vois déjà le meurtre de gamins. Ça me donne pas du tout envie de regarder. Alors, je vois pas, euh, je vois pas un monde après nous. Ils en parlaient il y a pas longtemps, mais là, je ne le vois pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez regarder 1670, les deux épisodes, si vous voulez rigoler que, sur quoi le Seigneur m'a emmené, franchement. Mais j'ai pleuré de rire. Oh là là, mais c'est pas des trucs à faire. En plus, moi, j'ai toujours un pot de graines euh, sur ma table de nuit, des graines de sésame. Je les mange à la petite cuillère. <laughs> J'en mange à la petite cuillère. Je suis comme un oiseau. Je mange ça. J'ai failli m'étouffer. <laughs> Les graines qui qu'on failli rester coincé dans le Je j'arrivais même plus à respirer. Non mais franchement, c'était c'était délirant les amis, franchement le fou rire. Mais c'est ça l'éternel. Avec lui, il va susciter la joie. Il va te mettre bien. C'est l'ennemi qui te met mal. Moi l'ennemi m'a mis mal là pour toute la journée. Il m'a mis mal parce que c'est lui qui m'a donné euh, ce fameux rêve là qui est venu c'est un casseur d'ambiance. Ce rêve là, ce rêve là, ça vient. Fait... Voilà, j'étais dans une cafétéria avec ma mère, voir ma mère. Tu crois que ça, ça, me... ça, ça me met dans l'ambiance, tu vois Oh mon dieu Oh non, pas elle. Voilà, je regardais un live machin, euh, les chiens avec les esprits. Euh, euh, mon chien s'est transformé en homme. Tu te rends compte euh... <laughs> Mon chien s'est transformé en homme. Tout mal qu'on au bien des justes, Avril. L'Éternel a permis que j'ai eu ce rêve de l'ennemi. Il a permis, l'Éternel, ce que tout mal qu'on au bien des justes. Dans le rêve, j'appelais mon chien. Et Manchester transformé en homme. Et je lui dis pourquoi tu avais une petite pile euh, plate entre tes mains et puis que tu la tenais euh, contre la vitre avec tous les autres chiens. C'est ce que vous faisiez. Pourquoi tu fais ça puis Il m'a expliqué vu qu'il était un homme. Il m'a expliqué qu'il y avait une piscine à côté, qu'il l'avait excité et que euh, euh, bah lui et les autres chiens étaient des esprits homosexuels enfermés dans des corps euh, de chiens en guise de punition, tu vois, euh, divine. Donc euh, voilà. Mais là ils avaient retrouvé un petit peu leur euh, leur délivrance, quoi. ah <laughs> eh ben il s'est éteint, l'ordinateur. je ne vais pas regarder grand-chose. Hein. Bon, et eh ben en tout cas, chers élus de Dieu, je suis contente d'avoir fait la fin de ce live. Vous pourrez retrouver la rediffusion, euh, enfin, ce, ce temps d'étude. Vous pourrez retrouver la rediffusion de ce live si mon fils il récupère demain, hein, pour le coup. Voilà. Euh, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce live. Loué sois-tu, éternel des armées, d'Abraham, de, d'Isaac et de Jacob. Elle, elle, hein, notre Dieu, elle, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ notre Roi, merci pour toute vérité, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour, eux. pour chacun de nous individuellement, mais aussi euh, euh, pour tout le corps de Christ, donc euh, pour tout l'ensemble aussi. Parce que Dieu, il a double de charge, double charge, les amis. Il fait chaque chose individuellement dans la vie de chacun, de chaque élu, de chacun, chaque, de chaque, hein. bon et méchant même, parce qu'il donne à, à tous. Euh, il accorde un temps de grâce à tous, mais il fait les choses pour, bah, pour toute la vie en général, pour toute la création. Amen. Parce que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et puis Dieu prend soin des animaux et tout ça, vous le savez. Il n'abandonne pas les oiseaux du ciel. Le Seigneur est bon. Hein? Il est infiniment bon. Que son nom soit béni. À lui la gloire de ce live. Et persévérer dans la foi. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Devenez des arbres de Dieu. Que Dieu fasse de vous ces arbres, ces hérebins. Amen. Shalom.